Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. La chanson repart. Tellement ça fait plaisir d'écouter Run DMC un soir de Noël. C'est Christmas in Hollis que vous écoutez. Et c'est pas un hasard. Oh là là, c'est beaucoup trop fort. Et c'est pas un hasard si je vous mets ça parce que pour les connaisseurs, les fins cinéphiles parmi vous, vous aurez reconnu que c'est la bande originale de Die Hard, Piège de cristal, un des meilleurs films pardon, de Noël de tous les temps. Et voilà, alors je vous explique. Donc c'est un petit stream complètement surprise, pour moi également, puisque bah, je me suis dit pourquoi pas faire ça, étant donné que cette année je peux pas aller voir ma maman, parce que bah, y a des grèves et tout, donc je me dis ça va être galère, donc je préfère attendre courant janvier pour aller voir ma maman et lui souhaiter un joyeux Noël en retard. Mais du coup ça veut dire que ce soir j'ai pas grand chose à faire. J'ai fait quand même les choses bien, j'ai fait un petit chapon de Noël. Je finis de manger là et c'était délicieux, mais en fait c'était pas ouf parce que j'ai fait la connerie de faire vin blanc citron et peut-être un peu trop de citron, donc le chapon était un peu amer, mais bon ça allait quand même et voilà. Et donc je me suis dit bah plutôt que de passer cette soirée à digérer mon chapon, j'allais vous proposer un petit stream complètement à l'arrache parce que c'était pas vraiment prévu, donc du coup j'ai pas préparé grand chose, j'avais juste envie de vous souhaiter un joyeux Noël et de partager avec vous ce merveilleux moment de l'année. En plus je me dis parmi vous il y a des gens qui sont dans la même situation que moi, donc ils n'ont pas grand chose à faire ce soir, donc bah pourquoi pas passer cette soirée ensemble. Toi aussi tu adores porter des chapons, Van Yaourt, c'est des super vannes. Déjà vous commencez, vous êtes super chaud, vous êtes très très fort. Et ça va être soirée jeu rétro, parce que je me suis dit bah Noël c'est un petit peu on est petit, on joue à des jeux vidéo un peu vintage, tous ces souvenirs là et pour bien faire les choses je me suis dit qu'on allait jouer à des jeux Die Hard en partie. On va commencer par jouer à des jeux Die Hard, en fait c'est ce que je me suis dit. Après si on voit qu'on s'ennuie un petit peu, on va passer sur d'autres jeux toujours sur la thématique Noël. Le problème que j'ai eu, c'est que je me suis rendu compte que en fait il n'y a pas beaucoup de jeux de Noël. Voilà, alors j'en connais quelques-uns, je connais Days Before Christmas sur Super NES et sur Mega Drive, un ou deux comme ça, et puis après le reste c'est que des adaptations de films en fait, des jeux de Noël. Donc j'ai hésité, j'en ai plusieurs, hein. J'ai pris du Die Hard, j'ai pris du Gremlins évidemment, du Home Alone bien sûr, ça c'est des vieux souvenirs, les Home Alone rétro ils sont dégueulasses, j'espère qu'on va pouvoir un petit peu y jouer. J'ai pris du quoi, il y a Nightmare Before Christmas, Nightmare Before Christmas, donc L'Étrange Noël de Monsieur Jack aussi. Ah voilà, il y a plein de trucs quand même, plein de trucs, plein d'adaptations de films. Je pense que ça peut être sympa, voilà, j'aurais pas grand chose de très intéressant à vous dire parce que j'ai pas révisé un petit peu les jeux qu'on va faire. Je vais probablement aussi être assez nul, vous offrir des performances un peu pitoyables, donc si vous aimez les performances pitoyables de Noël, vous êtes à la bonne adresse. Et puis voilà, j'espère que ça va, sinon vous, j'espère que vous passez quand même des bonnes fêtes, j'espère que vous êtes tous en vacances, et ça, déjà j'espère que vous ne bossez pas, ça c'est terrible, les gens qui bossent à Noël, bah c'est pas sympa. Voilà, voilà, et bah, je vous laisse vous installer, là vous me dites quoi, vous me dites bonjour, vous me dites Noël c'est rétro, un peu, parce que Noël ça appartient à l'enfance finalement, c'est ça, c'est d'avoir des cadeaux, d'avoir un sapin, ce genre de truc, et moi ça me ramène à mon enfance, ça me ramène à ma Super Nintendo, ça me rappelle à... On me dit fécond de moi s'il te plaît, non merci. Pas tout de suite en tout cas, apprenons d'abord à se connaître. Et voilà, voilà. On va lancer le jeu. Je vais commencer par... Alors déjà, je vais couper cette musique. Donc oui, cette musique, c'était Run DMC. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le hip-hop, Run DMC, c'est un groupe absolument culte de skibbity hop, populaire surtout à la fin des années 80, début des années 90. C'est vraiment très très bien si vous ne connaissez pas Run DMC. C'est un super groupe et cette chanson est absolument fantastique. Pour ceux qui se souviennent de Die Hard, c'est la scène où il se fait amener en limousine au Nakatomi Plaza. Et voilà. Bon. Voilà, voilà. C'est moi ou tu stream pas souvent? Non, c'est moi qui stream pas souvent. J'en suis absolument désolé d'ailleurs, hein. J'essaie de faire ce que je peux dès que j'ai un peu de temps. Vous voyez, je fais même pendant le soir de Noël. Donc je passe mon réveillon à streamer, donc c'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Alors attendez, bougez pas. Je mets en place le jeu auquel on va jouer en premier. Je pense que je vais vous surprendre. Je pense que je vais vous surprendre déjà parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant qu'en fait des jeux Die Hard, il y en a eu plein. Il y en a eu un paquet total. Il y en a eu sur NES, il y en a eu sur PlayStation 1. Je pense que c'est le plus connu d'ailleurs, Trilogy, pour les gens. Moi je l'avais à l'époque, d'ailleurs c'était un jeu avec qui adaptait en fait les trois films Die Hard et à chaque fois avec des gameplays différents. Donc il y avait le premier, c'était un peu jeu d'action, ça adaptait le premier Die Hard en mode jeu d'action en TPS. Ensuite c'était un shooter en mode light gun pour le 2, pour 58 minutes pour vivre. Et le troisième, qui donc est Die Hard with a Vengeance, est adapté en jeu de course, en jeu de bagnole.
celui-là c'est le plus connu. Celui de Saturne, j'ai vu que ça dit dans le chat, effectivement, Die Hard Arcade, qui est sorti bon, sur borne d'arcade d'abord, puis sur Saturne, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec les films. C'est pas vraiment une adaptation, c'est très différent, c'est juste qu'ils ont collé la licence dessus, en fait, sur un beat'em up 3D, un jeu d'action. Il y a eu Die Hard Vendetta aussi sur GameCube, pour les gens qui s'en souviennent, où là c'est carrément c'est une suite du truc, où du coup finalement John McClane il va bosser à Los Angeles, et du coup il y a encore un bordel, une prise d'otage, il n'y a vraiment pas de chance, hein. Évidemment c'est le mec, c'est le flic le plus poissard de New York, John McClane, qui est pas terrible, moi je me souviens de celui sur GameCube, et pas fou Die Hard Vendetta, mais c'est en mode FPS où on tire sur des trucs, mais on va jouer à aucun de ces jeux là. Aujourd'hui on va découvrir ensemble, moi il y a de ça bien des lunes, j'avais un peu commencé ce jeu là, mais je pense que pour beaucoup ça va être une découverte. On va voir, on va jouer à à Die Hard sur PC Engine, qui je crois d'ailleurs de mémoire, enfin je pense n'est jamais sorti en Europe, je pense pas qu'il soit sorti non plus aux États-Unis. Je pense que c'est un jeu qui est complètement japonais, donc du coup voilà, là je vois qu'il n'y a pas d'image et c'est pas normal, je viens de faire un test et normalement il y avait de l'image, donc est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Non. Si je fais ça, et voilà, voilà le stream de Noël qui part déjà mal. Attendez, bougez pas. Ça va fonctionner parce que ça a marché à un moment. Voilà, sauf que l'image, elle est n'importe comment, elle est très mal placée. Je vais décaler ça immédiatement. Ouh là là, c'est tout cassé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes avec Streamlabs OBS. Je pense que je vais repasser un de ces quatre à OBS. Parce que j'ai plein de merde à chaque fois que j'utilise Streamlabs OBS, en fait. Voilà, mais ça fonctionne. Là, vous reconnaissez normalement ce bon vieux Hans Gruber, accompagné de ses potes, les terroristes, mais qui sont pas vraiment des terroristes, les gens qui ont vu le film savent pourquoi. Voilà, et puis ça sera l'occasion aussi de parler un peu de Die Hard, qui est un super, qui est un des plus grands films d'action de tous les temps, qui est mon film, peut-être un de mes films d'action préférés, mais évidemment mon film de Noël préféré, parce que ça compte comme film de Noël, étant donné que le scénario, enfin le film se passe pendant Noël. Et voilà, alors vous allez voir que c'est un... c'est pas un jeu fou, hein. Enfin j'y ai peu joué, mais ça a pas l'air d'être un jeu fou, mais c'est bon, c'est le prétexte quoi, c'est parce que c'est Die Hard, je me disais que ce serait sympa pour vous, je vais peut-être augmenter le son du jeu, il y a pas de musique, putain bande de bâtards. Voilà, bon, on appuie, on commence direct, le son est pas trop fort, on va voir, voilà, donc là on reconnaît le Nakatomi Plaza à droite, donc l'endroit où se passe toute l'action du premier film, et évidemment la jungle, la forêt qui est à côté, du coup, donc ça part en japonais, j'ai aucune idée de ce qu'est en train de nous dire John McClane, mais du fait de sa petite tête renfrognée, je pense que c'est quelque chose d'important, en tout cas d'assez grave. Je remercie beaucoup Francis Volovitz pour ce sub niveau 1, je te fais des gros gros bisous tout partout. Donc voilà, bah, ça commence, donc on est John McClane, hein. On joue John McClane, voilà, on joue, il a son Marcel blanc, il a son petit pantalon et pour l'instant on peut juste sauter et mettre des coups de poing. Vous allez voir que le gameplay va très vite s'agrémenter de quelques armes et on avance donc dans la forêt dans laquelle il y a, je sais pas, des guerriers, donc visiblement qui ont envahi la forêt et on doit les buter. Attendez, le son est pas fort du tout, j'augmente le son, c'est mieux, je pense que c'est mieux. Ouais, ça a l'air mieux. Merci beaucoup à toi, Sayomul, pour ce sub. Tu es. Ou Sayomul, je sais pas si on dit Sayomul ou Sayomul, mais merci infiniment pour ce sub. Je te fais des gros bisous. Tu es Choupinoupinet. Donc, on avance. On tire sur des bâtards. Et c'est un jeu d'action. Vu du dessus, un peu en mode commando. Commando, pas le film, hein, commando, le jeu vidéo. Donc, c'est assez standard. C'est un shooter, en fait. On peut sauter, on peut tirer. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire, étant donné que la PC Engine ne dispose que de deux boutons. Voilà, mais c'est surtout un prétexte en fait pour parler du film, hein. Je pense que le jeu, il n'y a pas grand chose à en dire si ce n'est que c'est super standard, qu'on ramasse des armes différentes et qu'on fait de la bagarre. Peut-être du coup baisser un peu le son, peut-être que c'est un peu fort, n'hésitez pas à me dire, hein, les gars, moi je vous fais confiance. Ça a des petits airs de Metal Gear, ça a des petits airs effectivement des premiers Metal Gear, et notamment de la version NES de Metal Gear qui est beaucoup plus orientée action et moins infiltration que les autres versions, que notamment la version MSX. Merci beaucoup à toi Horus3000 pour ce superbe sub, vous êtes chou, vous continuez à sub, même alors que c'est Noël, vous me faites des cadeaux de Noël, c'est adorable. Alors que cet argent devrait revenir à votre famille, puisque c'est Noël, et c'est important, c'est aussi la fête de la famille, oh là là, voilà, toi je t'ai eu. Voilà, donc Die Hard, c'est quoi Die Hard? Die Hard, c'est Piège de Cristal. Die Hard, c'est un film d'action sorti en 1988, réalisé par John McTiernan, qui est un des plus grands réalisateurs de films d'action du monde, qui a aussi fait Predator, bon tout ça vous le savez, mais je m'en fous, je répète les évidences, parce que je me dis qu'il y a bien des gens ici qui connaissent pas trop Die Hard, et que peut-être que ça les intéresse hein, un peu d'avoir les bases du truc. Donc en gros, ça raconte l'histoire du personnage que je suis en train de jouer, qui est John McClane, qui est interprété, oh là là, par Bruce Willis. Dans le film, qui est un flic de New York et qui doit, pour fêter Noël, se rendre à Los Angeles pour rejoindre son ex-femme. Son ex-femme, Holly, qui du coup l'invite en fait à passer Noël en sa compagnie et notamment en sa compagnie et en la compagnie de ses collègues de boulot, parce que maintenant elle a changé de taf. Alors merci beaucoup Monsieur Wannes, wow,
pour ce sub, tu es trop chou. Attendez, est-ce que mon... Je viens de me... voilà, donc première... je vous dirai pourquoi c'est important. J'ai l'impression que son... Oui, tout à fait. Vous constatez que son tank top, son Marcel, a changé de couleur. Chose importante pour ceux qui connaissent le film. Donc il y a quand même des trucs un peu fidèles, j'ai l'impression. Pourquoi pas? Ou c'est peut-être quand j'ai pris une autre arme, je sais pas. Mais donc voilà, donc il se retrouve dans une grande tour qui s'appelle le Nakatomi Plaza, qui est le nouveau lieu de travail de son ex-femme qui désormais a un boulot et qui bosse avec des gens, j'allais dire un peu prout-prout, un peu bourgeois, etc. Donc lui, ça lui déplaît un petit peu. Et ah ouais, non, c'est ça, c'est la vie. Quand tu perds de la vie, ton Marcel devient un peu plus foncé. C'est génial. Non, c'est assez anodin, mais ça fait plaisir quand t'aimes bien le film. Et il s'avère que donc pendant cette soirée de Noël avec tous ces bourgeois de Los Angeles, il y a une prise d'otage, voilà, une prise d'otage qui au début est comprise comme une prise d'otage terroriste de la part de Hans Gruber et de... Oh là là, carrément, on a des lance-roquettes, bon on n'a pas ça, non, dans le film il n'y a pas ça. Hans Gruber et tout son groupe de faux terroristes en fait prennent en otage la cinquantaine de personnes qui se trouvent dans le Nakatomi Plaza, sauf que Bruce Willis, donc John McClane, comprend ce qui est en train de se passer, il arrive à se barrer un peu vite, donc il se cache dans le bâtiment, et c'est le dernier rempart. Alors je sais pas comment changer d'arme par contre, je sais pas, je vais voir. Merci beaucoup à toi Aerion pour ces 10€, c'est un fantastique don, tu es trop mignon, et je vais lire ton message si j'y arrive. Attendez, bougez pas, parce que moi j'aime bien lire les messages des gens qui me donnent de l'argent, parce que c'est la moindre des choses. Tu me dis joyeux Noël Karim, impossible de rejoindre ma famille pour Noël pour cause de maladie. Oh bah je suis désolé, je suis ravi de te voir, j'espère que c'est pas trop grave, j'espère que tu te remettras bien, et je te fais des gros bisous et merci beaucoup pour ce don. Donc voilà, donc c'est un peu le... Waouh, ça creuse des trous. C'est le dernier rempart, c'est la seule personne qui peut sauver, parce que les otages. Étant donné que les keufs ne sont pas au courant, parce que les preneurs d'otages sont assez malins, donc ils ont fait en sorte d'être très discrets et de se faire passer pour le staff du Nakatomi Plaza. Donc hop, le seul rempart, la seule personne qui peut prévenir les keufs et faire quelque chose pour sauver les gens, c'est ce bon vieux John McClane. Sauf que John McClane n'est pas une caricature de mec ultra bourrin à la... Merci beaucoup, attends, hop, je tue ces deux connards et je te dis merci. Merci beaucoup, Devil Destroy, pour... Ah non, j'ai pas eu le truc. Merci beaucoup pour ces 100 bits. Et tu me dis, excellent ton travail, Karim et Kamel de Biche, bah t'es trop chou, je te fais des gros bisous. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, c'est pas votre typique héros d'action. À l'époque, c'est ce qui avait un petit peu... C'est ce qui fait tout le sel en fait de Die Hard, c'est que ce mec-là est plutôt un gars banal. Bon, ça reste un flic de New York qui fait des trucs de ouf. Hein. Dans le film, il fait quand même des trucs de ouf. C'est pas non plus, Dédé qui... ça va, c'est bon. Ah, oh, c'est assez facile en fait comme jeu là. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je vais prendre cher et en fait non. Ah non, mais c'est timé. J'ai plus que 19 secondes déjà. Je vous dis, je découvre un peu le jeu. Hein. J'y ai joué, j'ai lancé 2-3 fois dans ma vie. Voilà, j'aurais dû me dépêcher. Allez, on est presque à la fin du niveau là. Allez, on bourre. 8 secondes. Ah non. Ok, est-ce qu'on va commencer ce live par un fail? 4 secondes. 1 seconde. Et je suis décédé par le temps. Voilà, bon, bah c'est un fail total. Je vous jure qu'on va réussir à passer ce premier niveau, qui est pourtant très simple. On va faire un continu et on va essayer de faire un peu mieux. Donc oui, c'est pas un héros... Et voilà, quelqu'un dit pas le héros riganien. Non, c'est pas un héros riganien. C'est un petit peu plus un mec normal, en fait. Et surtout, il a un corps, dans le sens où... Dans le sens où il a mal, il ressent de la douleur pendant le film, et ça c'est assez cool d'ailleurs dans la façon dont c'est montré. Il y a tout un truc notamment sur ses pieds, parce qu'il doit se retrouver à se bagarrer pieds nus, et c'est ça qui fait un peu tout le sel de ce personnage là, et qui en fait un truc différent de Rambo en fait, enfin de Rambo à partir de Rambo 2, c'est plus ça du tout. Et voilà, et c'est un film qui a changé vraiment drastiquement le cinéma d'action américain, c'est-à-dire qu'il y a eu un avant, un après Die Hard, ça c'est évident, je pense que tous les gens, même ceux qui sont pas fans de Die Hard, peuvent le reconnaître assez simplement. Ah ouais, on a même un gilet pare-balles. Voilà, c'est avant Die Hard, les films d'action, c'était un peu, c'était typiquement les films d'action des années 70, c'est-à-dire que c'était... C'était les Mad Max, les Rambo, les trucs comme ça. Et puis du coup, depuis Die Hard, ça a complètement changé. Et le cinéma d'action américain du début des années 90 est complètement calqué sur le modèle de Die Hard. Si bien que la blague, c'est que quand Die Hard est sorti, après il y a eu tellement de copies de Die Hard, c'est qu'on disait, ça c'est Die Hard en eux, trois petits points. C'est-à-dire Die Hard dans quelque chose d'autre. Par exemple, si vous prenez Speed avec Keanu Reeves, réalisé par Ian DeBont, qui est le chef opérateur de Die Hard par ailleurs, c'est Die Hard dans un bus. Si vous prenez, je sais pas, Piège en haute mer avec Steven Seagal,
C'est rien d'autre que Die Hard sur un bateau. Il y a plein de trucs comme ça sur un sous-marin. Non, c'est un bateau, c'est un gros bateau de trucs. Voilà, et tous les films comme ça se sont mis à calquer un petit peu le modèle de Die Hard, qui donc est assez simple, c'est-à-dire un personnage qui est un peu moins héroïque que d'habitude. Ça se passe toujours dans une unité de lieu. Une seule unité de lieu, une seule unité de temps, et c'est toujours un peu un huis clos, un petit peu claustrophobe, contrairement à d'autres films, effectivement, les Mad Max, etc., qui vont être un peu plus ambitieux en termes de décors montrés, etc. Et voilà, et ça c'est un template, en fait, qui a complètement révolutionné le cinéma d'action du début des années 90, puisque le film sort à la fin des années 80. Donc c'est un immense chef-d'œuvre, c'est vraiment un des meilleurs films d'action. Moi je trouve que Die Hard 3 est pas loin d'être aussi bien, mais quand même un peu moins, parce que Die Hard le premier, c'est quand même Die Hard le premier. Voilà, ouais, d'ailleurs dans un bateau, d'ailleurs au pensionnat, d'ailleurs tout ce que tu veux. J'avais lu sur internet, oh, je débloque des succès en plus que vous ne pouvez pas voir mais que moi je vois. La blague aussi c'était de dire que Alien par exemple, bon qui est sorti presque 10 ans avant, mais Alien, si tu te. J'ai lu ça, je crois que c'était sur. Je sais plus sur quel site j'ai vu ça, c'était peut-être sur un forum ou je sais plus, c'était peut-être TV Tropes. J'avais lu que du coup, Alien, si tu te mets du point de vue de l'Alien, le premier Alien de Ridley Scott. Eh ben c'est Die Hard dans un vaisseau spatial. Et effectivement, pensez-y, mettez-vous à la place de l'Alien. Alien 1, c'est Die Hard dans un vaisseau spatial. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce fantastique film? Que la mise en scène est incroyable, que tout est absolument parfait, que les effets spéciaux, enfin les effets spéciaux, tout ce qui est explosion, machin, c'est absolument génial, ça vous en fout plein la gueule. C'est le genre de film que tu peux regarder en boucle, vraiment, que moi je regarde assez régulièrement, notamment à Noël, parce que c'est vraiment la blague, c'est toujours que tu fais venir des gens et tu leur dis « Attends, on va regarder un film de Noël », et en fait c'est Die Hard. Voilà, et tout le monde est toujours content, parce que ça reste un très grand film, donc tout le monde est toujours content de voir Die Hard. Hop, c'est bon. Alien égale Die Hard, c'est incroyable. Ouais, mais je te jure, pense-y, hein. Il y a tout ce qu'il faut, c'est un vaisseau spatial, il y a un héros qui du coup est l'alien, qui doit affronter une tonne de méchants, que sont donc les passagers du Nostromo. Et tu regardes le truc, et effectivement, c'est un film de survie pour l'alien qui a rien demandé, hein, qui est juste né, hein, c'est finalement dans Alien. Il a pas fait grand chose de mal avant de naître. Hop, c'est bon. Ok. Voilà, et. Waouh, ok, c'est bon. Et lui, il est calqué complètement sur. Comment il s'appelle? Ce méchant que je viens de tuer là, il a exactement le design de Carl. Bah, du coup, il est là. Qui est un des méchants importants de Die Hard 1. Qui est le mec qui a la Sterog, qui est un des méchants iconiques, quoi. Waouh! Voilà, donc ensuite, évidemment, non seulement ça a inspiré plein de films, Die Hard, mais ça a aussi eu... Non, je vais mourir! Non, ça va, c'était mon gilet pare-balles, en fait. Ça a eu plein de suites, évidemment, aussi, en plus d'avoir inspiré plein d'autres films. Donc les suites sont, dans l'ordre, 58 minutes pour vivre, de René Harlin, qui est franchement pas ouf, mais je l'ai revu il y a quelques mois, et... C'est pas non plus une horreur, c'est-à-dire que c'est un petit film d'action assez banal qui est à des années-lumière évidemment du 1, c'est même pas comparable vraiment, mais qui est pas désagréable, qui est un film que je peux remater. Il y a eu ensuite évidemment Die Hard with a Vengeance, donc qui s'appelle en français, j'oublie les titres français, je suis désolé, je fais mon Jean-Claude Van Damme, et en plus je me fais tirer dessus, putain, je suis perdu dans ce labyrinthe, il y a ça, alors attendez, non, c'est bon. Qui est donc, pardon, une journée en enfer, donc, voilà. C'est donc une journée en enfer, réalisé par McTiernan, qui avait réalisé le premier, et qui donc n'a pas réalisé le second, enfin le deuxième, mais qui a réalisé le 3 aussi, ce qui fait que le 3 est aussi un chef-d'œuvre impérissable, qui est sorti, je crois, au début des années 90, j'ai pas envie de me gourer, de vous donner un mauvais truc. Donc cette fois où Bruce Willis est rejoint par Samuel L. Jackson dans le rôle de Zeus, comme on l'appelle, c'est son vrai nom en fait, il s'appelle Zeus. C'est un film d'action vraiment excellent qui du coup pour le coup se passe à New York. Et d'ailleurs les deux, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais sont très intéressants à mettre en parallèle. Le 1 et le 3, dans la façon dont ils montrent les villes. Je vous raconterai une petite anecdote que j'ai déjà racontée pour les gens qui sont venus voir Die Hard au cinéma, présenté par moi et Rafik Djoumi. Oh là là, c'est cool. Franchement le jeu a l'air super facile, je le découvre à moitié. Hein. Je vous ai dit, j'y ai joué un tout petit peu il y a très longtemps, mais je le découvre à moitié. Ok, c'est cool. Et ensuite, donc il y a eu d'autres suites, et là ça part en couille. À partir de Die Hard 3, moi, ça part complètement en couille. Donc, il y a eu Die Hard 4. Voilà, Die Hard 5, je l'ai toujours pas vu. Je me suis vraiment retenu de voir Die Hard 5 pendant tout ce temps parce que je sais que c'est le pire. Et déjà, dans le 4, tu comprends qu'ils ont pas compris, en fait. Et,
Et il y a une gradation dans les Die-Hard, si vous voulez. Dans le premier Die-Hard, il doit sauver une cinquantaine d'otages coincés dans une tour, donc le Nakatomi Plaza. Dans le 2, il doit sauver encore plus de gens, cette fois-ci dans un aéroport, donc il y a carrément plus de monde. Dans le 3, il doit carrément sauver la ville de New York. Donc pourquoi pas, à partir du 4, ça devient n'importe quoi, parce que là, c'est il doit sauver les États-Unis. Et je crois que dans le 5, il doit sauver le monde. Donc en fait, il y a eu au fil des années, tu sens une espèce de tentative de le faire, de transformer John McClane en héros de cinéma d'action classique. Et ça, je pense que ça vient, mon analyse personnelle sur le truc, c'est que je pense que ça vient un peu de Michael Bay, notamment avec The Rock, qui lui a redéfini le cinéma d'action. Donc The Rock, ça sort. Donc The Rock de Michael Bay avec Nicolas Cage. Et ça, c'est un film qui va aussi redéfinir les codes du cinéma d'action et le rendre beaucoup plus spectaculaire, quoi. Beaucoup plus spectaculaire. Je pense que Volteface aussi de John Woo a eu son petit rôle à jouer là-dedans. Mais du coup, c'est vrai que John McClane a essayé de s'adapter à ce truc-là. Donc tu le voyais moins galérer, en fait. Tu le voyais moins souffrir. Dans le 4, il y a des trucs, c'est n'importe quoi. Dans le 4, il se sert d'une bagnole pour détruire un hélicoptère en se propulsant avec. Enfin, c'est complètement ce que tu peux t'attendre d'un film d'action un peu à la con des années 2000. Et c'est évidemment beaucoup moins intéressant que le premier et le troisième et même le 2, qui au moins avait le mérite d'être un espèce de semi-copier-coller du 1, de reprendre un petit peu les gimmicks du 1 et d'essayer de faire un peu la même chose, en évidemment moins bien, mais quand même en pas trop mal. Puis Rennie Harlin, c'est pas non plus le pire des réalisateurs, je trouve. Les gens se moquent beaucoup de Rennie Harlin parce que c'est un peu le mec qui fait tout le temps les films, qui essaie de coller à la mode un petit peu du moment à chaque fois, et donc il fait des films en fonction. Moi, je trouve que c'est pas non plus le pire des réalisateurs. Je trouve que 58 minutes pour vivre, c'est un film qui est pas génial, mais qui est un peu estimable, quoi. Mais qui a des années-lumière en termes de mise en scène et de créativité du premier Die Hard, évidemment. Je ne comprends absolument rien en termes de dialogue à ce qui se passe, donc je peux pas vous dire si c'est fidèle ou pas. Je suppose que non. Vu ce qui se passe, je suppose que non. Là, on est quoi? On est dans le parking? Oh, on flingue des keufs. Donc c'est nous le terroriste, visiblement, dans cette version de Die Hard. Non, c'est sûrement des mecs déguisés. Parce qu'il y a plein de déguisements dans Die Hard. Il y a des mecs qui se font passer pour les gens de l'accueil, etc. Waouh. Hop, hop, hop. Et je vous montrerai aussi, après ça, si vous êtes intéressés, je vous montrerai un autre jeu Die Hard, qui est un jeu que je trouve, en fait, très intéressant, mais absolument injouable. Je le trouve beaucoup trop dur, c'est Die Hard sur NES. Die Hard sur NES, c'est un jeu, j'aime beaucoup les idées de gameplay qu'il y a dans le jeu, mais je trouve le jeu, il est infect en termes de difficulté. Je crois que la dernière fois que j'ai essayé de jouer à Die Hard sur NES, je crois que j'ai à peine passé la première salle, pour vous dire à quel point le jeu est horripilant. Alors, peut-être c'est moi qui suis con, et auquel cas vous me le direz. Je vais vous montrer à quoi ressemble le jeu après ça, et vous me direz si c'est moi qui suis un abruti, ou si le jeu est vraiment complètement difficile. Est-ce que je suis en train de tourner en rond ou pas dans ce parking, enfin ce souterrain, je suppose. Je sais pas où on est, hein. On n'est pas encore au Nakatomi Plaza, je pense que la map ne va pas montrer. Oh non, je voulais pas prendre cette arme là. Elle tire qu'un coup par un coup, c'est pas super pratique. Voilà. Et ensuite, ouais, effectivement, je vois que vous en parlez, je l'avais évoqué au début de ce stream, mais le Die Hard Trilogy était... Alors, ça dépendait en fait. En fait, c'est trois petits types de jeux, donc c'est trois types de gameplay différents, et je trouve qu'il n'y en a aucun qui est complètement bien fait, mais en même temps ça fait plaisir de pouvoir jouer à toutes les... Oh là 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 là, c'est quoi ça? C'est un lance-flamme? Oui, c'est un lance-flamme! Et on me dit succès débloqué, what goes around comes around. Oui, parce que je laisse allumer sur les jeux rétro les rétro achievements, au cas où comme ça je peux débloquer des trucs et faire augmenter mes scores sur le site rétro achievements. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que sont les rétro achievements, je pense que vous pouvez taper une commande avec un point d'exclamation dans le chat qui vous expliquera. Je sais pas si c'est genre... succès ou rétrophée ou je sais plus, ou tout simplement rétro achievement, je ne sais pas. Mais en gros, c'est des trophées en mode Xbox, PS4, mais pour les jeux rétro. Alors, je sais pas quelle porte prendre, parce que du coup, là, il va encore me dire « Ah non, je me suis trompé !» C'est ça qu'il est en train de me dire en japonais? Quelqu'un lit le japonais? Oh non, c'est pas la bonne route! Tu fais n'importe quoi! C'est ça qu'il est en train de me dire? Putain, j'espère que c'est pas ça. J'espère que je suis pas en train de tourner en rond, parce que je vous rappelle que le jeu est timé, comme on l'a appris à nos dépens au début de ce stream. Ok, ça va, c'est cool. Et voilà, et moi ça me fait toujours plaisir de jouer à un jeu Die Hard, même si là en l'occurrence ça n'a vraiment strictement rien à voir avec Die Hard. Moi dans ma tête quand je joue à ça, je revois quand même un peu des images du film et ça fait super plaisir. Oulala, voilà, et voilà. Donc voilà, et sinon John McTiernan donc est un des plus grands réalisateurs de films d'action de tous les temps, c'est un génie total. J'ai parlé d'un de ses films, donc de Rollerball, hop, dans un épisode de Chroma, évidemment il a fait Predator et juste ça mérite évidemment tous les honneurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Die Hard? Oui, c'est l'adaptation d'un bouquin aussi. Ça, c'est un truc finalement qui est peu dit que c'est l'adaptation d'un livre, mais c'est l'adaptation d'un roman qui est en fait la suite. Alors, j'ai oublié le nom du roman. J'ai pas du tout préparé ce stream. Hein. Je fais ça de mémoire. Donc, j'ai oublié le nom du roman que je n'ai absolument jamais lu. Je sais que c'est un. Oh,
C'est un roman. Ah putain, j'ai trop peur. Mais en fait, j'ai peur, mais en même temps, j'ai une barre de vie extrêmement élevée. Ils me font vraiment pas si mal que ça, les méchants. Donc ça devrait se passer. C'est une suite, le roman dont c'est adapté. C'est la suite d'un autre roman qui s'appelle, ça par contre je m'en souviens, Le Détective, qui a été adapté au cinéma au milieu des années 60 avec Frank Sinatra. Ouais. Et du coup, ils voulaient faire une suite, enfin, il y a eu une suite roman, et ils voulaient adapter du coup la suite du roman. Je crois que c'est The Long... est-ce que quelqu'un a le nom ? Nothing Lasts Forever, merci beaucoup le chat, c'est tout à fait Nothing Lasts Forever. Celui-là donc devait être adapté au départ aussi avec Frank Sinatra, sauf qu'il avait genre 70 ans à ce moment-là, donc il a dit bon, ça le fait peut-être pas. Du coup, ils ont changé complètement la licence, ils ont fait un truc un peu différent. Ça reprend les bases, c'est toujours... Un flic qui doit se rendre... je crois que c'est un flic à la retraite dans le roman, si je dis pas de conneries, ou peut-être que je dis ça. Je sais pas, j'ai juste des vieux souvenirs de résumés que j'ai lus, en fait. Donc c'est... Prenez pas ce que je dis ce soir comme des trucs vrais. Hein. Je vous préviens, j'ai rien préparé, je vous ai dit, c'est un stream surprise. Mais dans mes souvenirs, je crois que... Ok, ça va. Je crois que c'est... Il est un peu plus vieux, il est genre à la retraite, et c'est pas sa femme, c'est pas son ex-femme qui va rejoindre, c'est sa fille... mais sinon, ça, je crois que le gros, enfin, il y a plein de trucs qui ont été repris dans le film, notamment les séquences, le fait qu'il soit pieds nus, par exemple, qui est très important dans le film, ça, je crois que ça existe déjà dans le roman, les séquences un petit peu dans les comment ça s'appelle, dans les conduits de ventilation, ça aussi, c'est un truc qui, je crois, vient du roman, et plein d'autres trucs comme ça qui sont tirés du roman. Peut-être qu'un jour je le lirai, en fait. C'est vrai que c'est con, il faudrait que je lise ça. J'ai lu plein de trucs complètement insignifiants et j'ai pas lu le truc dont est tiré un de mes films d'action préférés. Faudrait que je me le fasse. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? La série Netflix de Movies That Made Us en parle très bien, d'accord. Movies That Made Us, du coup, j'ai vu juste la pochette sur Netflix et je suppose que c'est une suite à The Toys That Made Us, qui était aussi une espèce de petite série Netflix qui parlait des jouets des années 80-90. Donc je pense qu'ils font la même chose pour les films, c'est un peu ça que ça veut dire. Oh, c'était assez sympa, j'avais trouvé The Toys That Made Us. Mais s'il y avait un côté très YouTube d'ailleurs, j'avais trouvé, je m'étais fait la réflexion en matant ce truc-là. Et putain, il y a un côté très YouTube dans la façon dont sont rythmés les épisodes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Est-ce que vous avez des questions sur d'ailleurs ? Est-ce que vous avez déjà tous vu le film ? Parce que si c'est pas le cas, évidemment que plutôt que de me regarder jouer à cette version 8 bits pas folle du jeu, n'hésitez pas à vous mettre le film. Hein. Le film n'a pas pris une seule ride. Je trouve même qu'il est plus cool et plus intéressant et même mieux branlé et mieux rythmé que la plupart des films d'action qui sortent aujourd'hui. Ça fait grave vieux con, ça fait ok boomer de ouf. Vous avez le droit de me le dire, mais je m'en fous, je le pense. D'ailleurs, c'est un chef-d'œuvre, c'est impérissable. Je trouve qu'il a vraiment pas pris une ride. Bon, après, enfin, si, ça ressemble à un film des années 80 quand même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la musique, c'est du Run DMC. Donc voilà. Waouh. Et j'ai encore récolté un succès qui me dit Ain't Gonna Die. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de Medikit. Je pense que c'est ce que ça signifie. Mais oui, vous regardez Die Hard, franchement, vous mettez ça à côté de n'importe quel film, même des films d'action que j'aime bien. Vous voyez, par exemple, moi j'adore j'adore Mission Impossible 4. Voilà, c'est Ghost Protocol avec Tom Cruise, donc réalisé par Brad Bird. Je trouve que c'est un incroyable film d'action moderne. C'est absolument génial, que j'ai raté au cinéma comme un connard. On s'en est trop voulu avec Gilles. On l'a découvert en Blu-ray, en fait, on l'a maté chez lui. Et on a dit putain, on a raté ça au cinéma. On est des trous du cul. En fait, c'est un super bon film. Mais même, vous voyez, Mission Impossible 4, qui est un des derniers films d'action où je me souviens, je me suis dit waouh! Et ben, je trouve que ça arrive pas à la cheville de Die Hard, tellement Die Hard c'est cool. Et peut-être que je peux vous expliquer pourquoi, selon moi, Die Hard c'est cool, en fait. Il y a plein de choses. C'est que déjà, c'est super bien branlé en tant que film d'action. Ce qui est pas du tout négligeable. Quand on fait un film d'action, c'est quand même bien que ce soit cool à regarder, que ça bourrine que de partout, et qu'on s'ennuie pas. Et on s'ennuie pas dans Die Hard, c'est extrêmement bien rythmé, etc. Et surtout, ce qui en fait me plaît dans Die Hard, c'est la mise en scène, en fait. C'est la façon dont est construit... Waouh. Dont est construit le film. C'est-à-dire que, pour moi, il invente... Il y a une précision, en fait, je trouve, dans la mise en scène de McTiernan dans ce film, qui est pour le coup aux antipodes de la mise en scène qu'il utilise dans Die Hard 3, qui là est beaucoup plus caméra à l'épaule, etc. Mais il y a une forme de précision presque chirurgicale dans le déplacement des personnages, parce que le fait est que toute l'action quasiment du film se situe dans une tour, dans Die Hard 1, c'est Nakatomi Plaza. Ça a été tourné en fait au Fox Plaza, c'est les bureaux de la Fox. Ça a été tourné dans les bureaux de la Fox. Un bâtiment qui, à l'époque où ça a été tourné, comme il avait été construit l'année d'avant, je crois que ça a été construit en 87, et ben en fait, ils,
il était à moitié en construction. Il y avait plusieurs étages qui n'étaient pas finis et qui étaient en construction. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans le film. Il y a des étages qui sont en construction, en travaux en tout cas, dans le film. Et le fait est que du coup, c'est un bâtiment avec plein d'étages. Waouh. Avec plein d'étages. Et qui se ressemblent un petit peu tous, forcément, parce que c'est un immeuble. Mais on n'est jamais perdu. Moi, c'est un des trucs qui me frappe dans Die Hard, c'est qu'on sait exactement où sont les personnages, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que lui, il est à cet étage-là. Grâce à tout un espèce de réseau extrêmement complexe de petits indices, en fait, que McTiernan pose ici et là. 48 secondes, je crois que je suis en train de tourner en rond, et que comme je comprends pas le japonais, prends le passage de gauche. Mais oui, mais je peux pas backward. Donc 41 secondes, je pense que je vais crever, c'est pas grave, on va réessayer ce niveau. Et puis si ça marche pas, au pire du pire, bah franchement, on mettra Die Hard sur NES ou on passera à un autre jeu ou à une autre licence dont j'ai envie de parler. Puis c'est pas très grave finalement. Puis en attendant, vous m'écoutez quand même dire des trucs sur Die Hard, c'est sympa, c'est chouette. Moi en tout cas, j'aime bien parler de Die Hard. Mais là, c'est clair que je vais crever de ouf. Je vais crever donc clairement dans ce jeu. Je le connais pas bien, mais visiblement, votre plus gros ennemi, c'est le timer. C'est le timer. Les terroristes, on s'en bat les steaks. Hein. C'est vraiment le timer qui vous fume à chaque fois. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je vous ai dit, hein, ça va être des performances assez pitoyables parce que vraiment c'est des jeux que je ne connais pas trop. Donc là, en théorie, je devrais prendre à gauche. C'est ça que ça signifie. Pff, c'est compliqué. Pourquoi ils font des labyrinthes, putain? Pourquoi ils font des labyrinthes dans un jeu Die Hard? Parce que Die Hard peut-être fonctionne aussi un peu comme un labyrinthe en soi. Ouais, je suis mort, c'est pas grave. On va recommencer. Et je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Ça sera pas ma faute cette fois. Désolé, je vous lisais pas en fait. Jurassic Park sur Super NES, mais non, parce que ça a aucun rapport avec. Avec Noël. Alors, je vais vous lire un petit peu, juste vite fait. En fait, Karim, alors, idée, je suis désolé, il y a plein de chiffres derrière ton pseudo. Idée nous dit, en fait, Karim, moi j'ai un peu ma théorie, ma petite théorie du Die Hard. En fait, le film plaît autant parce qu'il renvoie à une partie de chacun d'entre nous qui rêve d'être le héros de son histoire, parce que le film ne se contente pas de nous montrer un mec être le héros du film, mais aussi tout un tas de spectateurs qui regardent le héros être le héros. Et dire à quel point c'est un héros, je pense que le simple fait de rajouter une couche de spectateurs aux spectateurs dans la salle explique son succès. Non, je pense quand même pas que ce soit que ça. Je comprends ce que tu dis et je suis un peu d'accord avec le fait que effectivement il y a cette espèce de degré de gens qui le regardent être héroïque et qui donc sont très impressionnés, et notamment les flics en fait, qui du coup, bah, y a Al et puis enfin même tous les keufs en fait qui sont dans Die Hard du coup, même ceux qui sont contre lui en fait, en étant contre lui, ils soulignent son héroïsme parce que eux sont des gens qui visiblement sont incompétents. Donc et les mecs du FBI pareil à la fin. Donc évidemment qu'il y a plein de personnages, il y a une petite galaxie de personnages secondaires qui sont aussi là pour nous montrer à quel point John McClane est cool. Mais franchement non, je ne pense pas que ça justifie simplement le succès du film. Moi c'est vraiment, je pense que c'est juste que le film il est super cool quoi. Le film il est trop bien fait, c'est trop bien écrit, c'est millimétré. Je vous parlais de Fusil de Tchekhov dans un de mes épisodes, et je montrais d'ailleurs je crois de mémoire dans mon montage des images de derrière. Donc là je prends à gauche, hein. On va dire que je prends à gauche. Mais il y a tout ce truc là qui est génial, ce truc de le mec au tout début du film qui lui dit si t'es stressé fais le point avec tes orteils, et que du coup il se retrouve à être pieds nus parce que le moment où les terroristes arrivent c'est le moment où il est en train de faire ça, du coup il s'échappe, et c'est ce qui fera que plus loin dans le film il va galérer parce que bah, il marche sur du verre, et ça c'est un truc qu'utilisent les méchants contre lui. Tous ces trucs là c'est vraiment extrêmement précis, extrêmement bien fait. Il y a des tonnes de répliques aussi qui sont devenues super cool. C'est vrai que Yippie-ki-yay, pauvre con, c'est un truc, je le dis en français, mais c'est Yippie-ki-yay, motherfucker. Ce truc-là, par exemple, c'est un truc qui est resté parce que c'est vraiment génial. Le truc est trop bien fait. Il y a aussi, je crois, Steve de Souza disait, waouh, Steve de Souza, c'est le mec qui a écrit le film. En adaptant du coup le roman dont on parlait tout à l'heure, et qui est aussi le réalisateur du film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Mais lui disait, j'ai écrit ce film aussi en pensant beaucoup au méchant, donc à Hans Gruber, qui est un des méchants les plus iconiques de l'histoire du cinéma, qui est, je crois, le premier rôle dans un long métrage d'Alan Rickman. Parce que je crois que. Je sais pas si c'est Joel Silver qui l'a engagé parce qu'il l'avait vu dans un. Je vais encore prendre à gauche là, je vais reprendre que à gauche. Là c'est full gauche, c'est période de grève en plus, donc soyons full gauche. Waouh, et voilà, ça c'est cool. Et je crois qu'il l'avait vu dans un théâtre ou à Broadway ou quelque chose comme ça. C'était au départ un acteur de théâtre, Alan Rickman. Je crois que c'est son premier long métrage. Il est incroyable, les performances des acteurs dans Die Hard sont absolument prodigieuses, enfin je veux dire, pas que Bruce Willis, hein, mais vraiment Alan Rickman génial, le mec Ellis, j'ai oublié le nom de l'acteur, je suis désolé, mais Ellis qui est donc un peu le bourgeois coquet à base de Rolex et tutti quanti, il joue trop bien lui aussi, il est insupportable dans son rôle, ça marche trop bien. Al, le flic qui le suit, qui je sais à l'époque avait, parce que Die Hard, on s'en souvient comme un grand classique maintenant, là on est en 2019, on dit que c'est un chef d'œuvre. Enfin moi je dis ça en tout cas volontiers, je le dis sans sourciller. À l'époque c'était pas le cas du tout, à l'époque il était plutôt pas trop apprécié,
Si bien que, en fait, le film, on l'a présenté à l'époque, jusqu'à l'année dernière, j'organisais des séances de cinéma à Châtelet au Forum des Images. Et donc, le délire, c'était un peu de passer les films qu'on avait rêvé de voir. Des films qu'on voulait voir sur grand écran. C'était ça le concept du truc. Et on avait passé, du coup, déjà Home Alone, dont on va peut-être parler tout à l'heure, et aussi Die Hard. Et on avait invité Rafik Djoumi. Donc, il y a un journaliste de cinéma qui a fait plein de choses absolument fantastiques. Enfin, vous connaissez Rafik Djoumi. Et du coup, il me disait que lui, il avait connu le film au moment de sa sortie. Il me dit, mais. Attendez, c'est pas bon ce que je fais là, je tourne en rond encore. Cette fois, je passe à droite. Je me macronise, hop. Voilà, et lui me disait, ouais, moi le film je l'ai découvert à l'époque. Déjà, c'était pas la folie. Aux États-Unis, c'était à peu près considéré correctement. Même si des gens comme Siskel et Ebert. Enfin, c'était juste Ebert. C'est sans Siskel dans le. À l'époque, je sais plus dans quel journal il bossait à cette époque-là, mais en tout cas, lui, il avait fait une critique en disant que c'était pas terrible, en disant que notamment le personnage du flic, donc de Hal, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais le flic qui est du coup un petit peu le confident et le pote de John McClane dans le film, qui mange des Twinkies, était un personnage un peu caricatural et un peu nul, et que bah, le film c'était sympa sans plus, quoi. Bon, voilà, donc c'était pas un film qui était très apprécié. Je pense que plein de gens sont passés à côté, en fait, ont pas capté la dimension aussi sincèrement risquée de sa mise en scène. Et ça, c'est un truc que me rappelait Rafik aussi, c'est que la façon dont sont filmées certaines scènes d'action, ça paraît assez évident maintenant qu'on est habitué. Parce qu'en fait, étant donné que tous les films d'action après Die Hard ont copié Die Hard, bah forcément, tu regardes Die Hard aujourd'hui, t'as l'impression d'avoir déjà vu des trucs, etc. Mais en vrai, il y a des audaces de mise en scène, des espèces de travelling travelling gauche, puis travelling droite, des enchaînements de travelling. Qui selon Rafik, donc parce que lui connaît pas trop mal John McTiernan, Rafik Djoumi, sont en fait des références au cinéma européen. Je crois que Bertolucci était une référence de plein. Il y a plein de cinéastes européens en fait qui ont inspiré McTiernan, ce qui est assez drôle parce que quand on voit Die Hard, on peut imaginer que c'est plutôt tiré de, je sais pas, du cinéma hongkongais éventuellement, du cinéma d'action hongkongais. En fait non, c'est plutôt tiré, c'est plutôt. Hop. J'essaie de me concentrer aussi parce que là il y a quand même des nuages de balles. Je peux passer en fait sans les tuer. On pourrait se dire que c'est plus tiré du cinéma hongkongais, mais non, je crois que c'est pas mal inspiré du cinéma européen. Alors j'ai pas assez analysé le film d'ailleurs pour vous dire exactement de quel film, etc. Ça, la prochaine fois peut-être j'inviterai Rafik un jour pour jouer à un jeu d'ailleurs. J'inviterai à la maison, puis il vous parlera de ça mieux que moi parce que lui c'est vraiment un spécialiste du truc. Mais voilà, non, il y a des vraies audaces de mise en scène aussi. Scénaristiquement, c'est impeccable. C'est-à-dire que c'est de, il y a aucune incohérence, il y a rien à part cette affaire peut-être de Marcel qui change de couleur. Est-ce que c'est bien fait d'aller à droite ou est-ce qu'il fallait que là j'aille à gauche? Putain, là je suis sûr que là il fallait que j'aille à gauche. Oh là 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 là. On va faire Die Hard, on va ajouter un côté chiant à Die Hard. Mais encore si c'était traduit en anglais, je comprendrais, je me dirais ah cette fois j'ai mal tourné. Donc là, mais là ça ne l'est pas. Je vais continuer à avancer. J'aimerais bien avoir un peu de vie aussi parce que là ça commence à descendre. Voilà, je sais plus ce que je disais du coup. Mais je disais oui, les retours, et notamment, même dans des revues qui étaient spécialisées en cinéma d'action, telles que Impact par exemple, et ben en fait il y avait quelques phrases, quoi, il n'y avait pas grand chose, ces gens ils disaient ouais, c'est pas trop mal. Mais oui, c'est vraiment avec le temps que c'est devenu ah, mais non, mais en fait, Die Hard c'est génial. Et le fait que tout le monde essaye de faire son Die Hard un petit peu dans son coin, parce que tout le monde. Je pense que c'est aussi un peu un film de cinéaste, dans le sens où les réalisateurs ont vu ça, ils ont dû dire oh putain, c'est un truc de ouf. Et du coup ils ont essayé de faire un peu la même chose. Et je pense qu'on s'est vite rendu compte. Oh putain, je suis revenu au début ou pas les gars? Eh vas-y, vous êtes en train de me dire que je suis en train de jouer à Die Hard et qu'on va pas arriver au Nakatomi Plaza? Si c'est ça, c'est terrible. Si c'est ça, c'est la honte. Vous avez le droit de vous moquer, hein, je m'en bats les couilles là. Ah ouais, il finit carrément torse nu et en sang et tout. Oh c'est cool. Je vais vous parler aussi de cette affaire de Marcel. Et voilà, mais oui, c'est un film qui était pas très considéré jusqu'à la fin. Mais c'est un film, oui, voilà, comme il a inspiré beaucoup de réalisateurs, je pense que les gens se sont aussi rendus compte assez rapidement. Vous savez quoi, là, il faut que j'aille à droite. Attendez, je m'épose, je vais lire ce que vous me dites parce que je suis sûr que vous me le dites. Là, c'était écrit qu'il revenait au début, justement. Axunkar, tu parles japonais, c'est super cool si tu peux m'aider à traduire. Donc, d'accord, il revient au début. Donc, faut passer à gauche à un moment. Moi, je pense. Merci beaucoup, c'est le stream reconductible qui parle, merci beaucoup Fancy, je ne vois pas bien ton pseudo parce que j'ai toujours ce problème d'écran qui fait que les textes sont flous, mais merci à toi. Je pense que là il faut que je passe à droite et qu'ensuite quand la map devient jaune il faut que je passe à gauche, je pense que c'est ça le bail. Donc je vais essayer ça, ok,
et on va voir si ça fonctionne. Donc là, je passe à droite, et quand c'est jaune, j'essaie de pas oublier et je passe à gauche. Ok, on va tenter ça. Voilà, je sais plus ce que je disais du coup, mais ouais, bref, Die Hard, c'est de la balle. De toute façon, regardez Die Hard, vénérer ce film incroyable qui le mérite plus que tous les autres. Franchement, c'était. Moi, j'ai des trop bons souvenirs sur Die Hard, quoi. Genre, à chaque fois que je le regarde, je kiffe, quoi. J'arrive pas à m'ennuyer une seule seconde. Merci beaucoup à toi, Hitex, pour ce sub. Tu es trop chou. Tu t'ennuies jamais dans Die Hard. Et si tu t'enchaînes celui-là et le 3, c'est. C'est absolument prodigieux. C'est absolument prodigieux. Et je lèche le cul de McTiernan volontiers. Hein. Je pense que c'est un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Je suis extrêmement triste de ce qui est arrivé. Bah, ça, vous l'avez compris si vous avez vu mon épisode de toute façon sur Rollerball. Mais c'est vraiment sincèrement triste que sa carrière se soit plus ou moins terminée. Alors peut-être qu'il va revenir. J'espère qu'il. Enfin, waouh. Peut-être qu'il va revenir à faire des trucs de ouf dans pas longtemps. Enfin, je lui souhaite vraiment. J'espère qu'il va revenir genre en Europe. Faut qu'il fasse ça. Faut qu'il arrive en Europe. Qu'on l'accueille et qu'il fasse des films avec des budgets corrects et qu'il puisse faire des films d'action de ouf. Franchement, moi ça me manque grave. Moi, j'ai envie de Predator, j'ai envie de Die Hard, j'ai envie de nouvelles licences, j'ai pas envie d'aller voir Star Wars 9, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je passe à gauche. Cette fois-ci, je n'oublie pas, je passe à gauche. Hop. Star Wars 9 que je n'ai pas vu. Donc voilà, je dis ça aussi, je ne l'ai pas vu et je pense que je vais volontiers ne pas aller le voir en fait. Parce que là, j'ai eu un petit ras-le-bol, alors je vous le dis, je me confie. Une espèce de petit ras-le-bol là du cinéma d'action, du cinéma hollywoodien, du cinéma de Disney globalement, de ce qui se fait dans les gros films américains du moment. Je vous avoue qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pris plus de. Ah, et globalement de l'audiovisuel d'ailleurs, parce que je ressens ça aussi sur les productions de télé. Mais je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais préféré regarder, comment il s'appelle ce film, qui est pas mal d'ailleurs, avec là, récemment c'est sorti, c'est avec Guillaume Canet qui joue un agriculteur. C'est un film autobiographique sur un mec dont le père était agriculteur. Et c'est sur les difficultés que c'est d'être agriculteur et tout. C'est pas un chef-d'œuvre du tout, hein, mais c'est vraiment intéressant. C'est très touchant en plus qu'un mec fasse un film comme ça sur son père. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et après, j'ai regardé genre le premier épisode. Enfin, j'ai regardé les deux premiers épisodes de Watchmen, la série télé. Je trouvais ça horrible. Je trouvais ça pas bien du tout. Du coup, j'ai arrêté de regarder Watchmen. Alors, pour tout vous dire, Watchmen, c'est ma série préférée, c'est ma BD préférée de tous les temps. Avec Akira. C'est vraiment les deux œuvres pour moi piliers de. Pour moi, les bandes dessinées, ça s'est construit sur Watchmen et Akira. Donc, j'étais vraiment. J'étais plutôt hypé en fait. Je me disais putain, j'ai envie de voir ce que ça va être. Et j'aurais dû me douter du truc en me disant putain, Céline Deloff, il m'a déjà niqué sur Prometheus. Il a déjà niqué Prometheus en entier et j'aurais dû pas lui faire confiance. J'ai regardé les deux premiers épisodes, j'ai fait allez, je ne veux pas regarder ça. Je vais regarder soit des petits films indépendants. Ou alors si, le dernier film que j'ai un peu kiffé, j'ai bien aimé, genre Midsommar, vous voyez les films A24, les productions un peu horror Sundance. Ça, j'aime bien en ce moment. Mais c'est vrai que les gros films, putain, et Star Wars, j'ai aucune envie de voir ce film quoi. C'est on devait le présenter en fait parfois on présente des films aussi de temps en temps. Je le fais plus à Paris mais je le fais de temps en temps dans ma Bretagne, à Fougères, dans le cinéma Le Club de Fougères, un cinéma de référence, un cinéma de haute volée, de grande qualité, je fais ça avec Sébastien Rassia de Joueur du Grenier. On présente de temps en temps des films comme ça. On avait fait ça chapitre 2. On avait fait le Tarantino, donc Once Upon a Time in Hollywood, et on avait fait aussi, merde je me souviens plus, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre. Toy Story 4, on avait fait aussi Toy Story 4. Et du coup, là, il y avait. Et parfois, il y a Fred aussi. Et on avait fait le Joker aussi, et Fred était venu pour le Joker parce que Fred est fan de DC Comics. Et du coup, là, Fred Essay m'avait proposé, viens, on fait Star Wars. Et j'ai dit non, j'ai pas envie de voir ce film, les gars. Vous allez y aller tout seul, je m'en vais. J'ai pas envie de voir Star Wars 9, quoi. J'avais pas aimé le 8. Et je sais ce qu'ils vont faire pour le 9. C'est-à-dire que c'est évident ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire, c'est que comme le 8, il a fait gueuler un petit peu les fans, etc. Ils vont essayer de se rattraper. Je crois qu'on va arrêter de jouer à ce jeu, les gars. Je crois qu'on va juste pas aller au Nakatomi Plaza. Je me suis pas gouré sur la trajectoire parce qu'en même temps je parle donc je peux oublier. Bon, peut-être je me suis gouré, mais c'est pas très grave de toute façon. Vous avez vu, je pense que le jeu va être absolument comme ça pendant tout le reste du truc. Je pense que si on continue, on va juste avoir des niveaux qui se ressemblent un petit peu. On va avoir shooté des gens comme ça. Donc c'est pas non plus. C'est pas la folie. Bon, c'est pas grave. On va passer. Je vais vous montrer le jeu sur NES après. Donc on va rester un petit peu sur Die Hard. Ça peut vous faire plaisir quand même. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là par exemple? Genre. Si vous savez parler japonais. Bah, Toy Story 4, ça va. J'avais trouvé ça sympa, mais pareil, tu vois, c'est un peu anodin, Toy Story 4, par rapport au premier, au 2 et au 3, enfin, par rapport aux 3 premiers. Je sais pas, ça me touche vachement moins. Et là, je me suis fait vraiment la réflexion. Vous savez quoi, Gilles me disait ça, il y a de ça déjà des années, en fait. Il me disait, j'en ai marre de tous ces remakes,
J'en ai marre de voir toujours les mêmes licences ressucées. Et je lui disais, non, ça va, t'abuses, c'est quand même cool, tu vois, on redécouvre des trucs. C'était genre en 2016, quoi, c'était genre, ouais, Ghostbusters, bon, c'était pas terrible, c'était décevant, mais attends, il y aura d'autres trucs et tout. Et en fait, je suis d'accord avec ce que me disait Gilles à l'époque, je le ressens maintenant. Je prends plus aucun plaisir à voir les... Il fallait prendre la porte à gauche. Ah, la porte à gauche sur les moments... D'accord, la porte à gauche sur les moments horizontaux, là. Ah, vas-y, on va retester si c'est juste ça, parce que je pensais que la porte à gauche, elle allait juste me donner une arme, et c'est pour ça que je le faisais pas. Mais du coup, je vais le faire. Merci beaucoup, pardon, je t'ai pas noté sur le sub, mais là, je le vois. Merci beaucoup à toi, Unji, je sais pas. Mais merci à toi, en tout cas, pour ce sub, tu es trop mignon, je t'embrasse très très fort. Mais ouais, c'est ça, et là, je me refaisais, parce que là, je suis en train de me remater, enfin, j'ai rematé, en fait... un peu tous les aliens, j'avais envie de me refaire ça. Je vais peut-être vous en faire un live d'ailleurs, j'avais déjà prévenu hier. Je pense que je vous ferai un petit live sur Alien Resurrection ou sur un autre alien, je sais pas encore. Mais j'ai bien envie de vous parler d'Alien, c'est une saga que j'aime beaucoup en fait. Enfin, c'est surtout le premier film dont je suis vraiment fan. J'adore le premier Alien, je le trouve fantastique. Le 2, je l'aime beaucoup aussi, hein, mais le premier, c'est vraiment, je suis ultra fan. Donc je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion peut-être de vous parler de ça. C'est vrai que j'ai rarement eu l'occasion publiquement de parler de Alien, alors que je trouve que c'est un des plus grands films d'horreur et de SF de tous les temps, et du coup, je refaisais les anciens Aliens, et après, j'ai rematé du coup Prometheus, Covenant, etc., et putain, c'est vrai que, mais non, mais merde, mais faites des nouvelles licences, putain, c'est vrai que c'était cool Alien, parce que c'était un nouveau truc, quoi. Je suppose qu'en 79, quand t'allais voir Alien au cinéma, tu disais, putain, j'ai jamais vu un truc comme ça, là, c'est complètement fou. Alors là, du coup, je pense que j'ai pris le mauvais chemin, c'est pas grave. Tu disais, mais ouais, non, ça change complètement de ce que j'ai l'habitude de voir. Et maintenant, c'est que des ressucés, là, ils vont nous refaire un Ghostbuster. Et avec les trends du moment, c'est-à-dire que ça va ressembler à Stranger Things, et ça va ressembler à Super 8, et je crois que j'arrive à saturation du cinéma hollywoodien moderne. Ça ne m'intéresse plus. Et du coup, Star Wars, c'est un peu un symbolique pour moi, mais je le boycotte. J'avais boycotté Solo, d'ailleurs, j'y étais pas allé non plus, je l'ai toujours pas vu, Solo, je m'en fous. Je me fous de savoir ce qui arrive à ces personnages. Je me fous. Là, c'est ce que je disais, c'est je suis persuadé que le 9, et vous me direz, enfin, ne dites pas si j'ai raison ou pas, mais ils vont rétro-pédaler. Parce que, évidemment, que le 8, ça a été un petit peu polémique, etc. Moi, j'ai pas aimé le 8, hein, j'ai trouvé ça pas bien. Mais par contre, je me dis quand même, attendez, les mecs, vous êtes partis dans une direction. Ok, vous voulez bousculer les trucs, changer les. Moi, je suis pas fan de ce qui a été fait sur le 8. J'aime pas le 8, je trouve que c'est pas un bon film. Et là, il fallait pas prendre à gauche. Ok, je commence à comprendre. Là je vais prendre à droite, putain je suis perdu dans ce labyrinthe, mais c'est parce que je parle en même temps, du coup mon esprit va partout et je peux pas me concentrer sur le jeu. Mais c'est pas grave, est-ce que c'est plus intéressant de me voir bien jouer à un jeu ou est-ce que c'est plus intéressant de m'entendre parler de trucs? Bon. C'est un choix à faire, moi je préfère parler de trucs et être un peu nul à des jeux vidéo. Mais tout ça pour dire que ouais, je sais qu'ils vont rétro-pédaler, ils vont faire un backdash, c'est sûr, et je le vois venir vraiment à des kilomètres quoi. Et je l'ai dit à Seb, je lui ai dit Seb, tu vas voir, ils vont renier tout ce qu'ils ont fait dans le 8, ils vont faire genre ouais non, c'est pas ça qu'on voulait faire. Et moi c'est un truc, alors peut-être que je suis de mauvaise foi et peut-être que ça se ressentait un peu dans la première trilogie. Moi je ressens ça me pose problème dans les Star Wars. Je ressens les conflits idéologiques des gens qui font le film. C'est-à-dire que quand je regarde Star Wars, oh j'ai plus d'armes. Quand je regarde les nouveaux Star Wars, je vois Rian Johnson qui se dit « Ouais, je vais retourner la table parce que j'en ai rien à foutre, c'est une autre époque, c'est un autre truc. » Je vois Kathleen Kennedy qui dit « Attention les gars, faites gaffe quand même, c'est bien. » mais Et puis après, je vois J.J. Abrams qui fait « Ouais, pourquoi pas, mais en même temps, moi je suis quand même attaché à la licence, on peut pas tout envoyer. » Je vois tout ça et ça m'horripile peut-être aussi, pour être tout à fait honnête, que c'est un truc qui est contemporain simplement parce que je suis au courant de ces trucs-là, parce que bah, ça tourne partout sur Internet et que les gens m'en parlent. C'est-à-dire que du coup, quand je discute avec Seb, il me dit « Ouais, il s'est passé ça. » Alors cette fois-ci, je vais passer à droite et quand ça va devenir jaune, je vais prendre à gauche. Merci beaucoup à toi, Kalou, pour le sub. Je t'embrasse très fort. Et merci aussi à MrNice74. Je t'ai pas vu passer, je suis désolé. Je t'embrasse très très fort. Merci à toi. Je ressens ces trucs là et peut-être je les ressentais pas à l'époque simplement parce que moi quand j'ai découvert les Star Wars, bah déjà évidemment je les ai pas découverts à leur sortie parce qu'en 77 j'étais simplement pas né, mais en voyant ces Star Wars là je ressentais pas à ce point le truc quoi. Là j'ai l'impression que c'est des jeunes un peu arrogants, pour être tout à fait honnête,
Et Lindelof sur Watchmen, pareil, je le sens un peu arrogant, qui a envie d'envoyer valser la table, mais qui en même temps se rend compte que ça peut coûter cher d'envoyer valser la table, et qui du coup ose pas le faire complètement. Et moi je trouve que c'est... Du coup ça fait des films qui sont en demi-teinte, alors c'est bien parce que ça fait des trucs un petit peu inattendus, parce que du coup tu sais pas à quel moment J.J. Abrams va plus prendre le dessus, etc. Mais du coup pour moi c'est pas... Moi ce que j'aime bien dans Star Wars c'est... Bah, à l'autre bout de la galaxie et vivre des aventures avec des créatures bizarres. J'ai pas envie de me poser des questions sur qu'est-ce que pensent Kathleen Kennedy, Rian Johnson et J.J. Abrams ce samedi. À vrai dire, je m'en fous de leur vie. Moi, ce que j'aime bien, c'est Luke Skywalker, c'est pas Rian Johnson. Ou Rey, ou ce que tu veux, Finn. Moi, en plus, quand je... Parce que je suis pas fan de Star Wars c'est-à-dire que déjà, l'épisode 7, j'étais déjà pas très fan, mais le début de l'épisode 7... J'ai trouvé ça vraiment cool, ce truc de Finn, en fait. J'aimais beaucoup le personnage de Finn. Je voulais vraiment le voir devenir quelque chose de cool. Et j'adorais cette espèce de truc de Stormtrooper dissident qui donc se rend compte de l'horreur du truc, qui est pas con... Oh putain, je tourne en rond. Oh là 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 là, je tourne en rond. C'est pas grave. Vous comprenez où je veux en venir. De toute façon, je pense pas que mon... opinion soit très originale. Je pense que sur internet c'est une opinion qui traîne assez. Il y a une espèce de petit ras-le-bol de ce que je comprends. J'ai vu qu'il avait été très mal noté l'épisode 9. Je sais plus combien, mais j'ai vu un article qui disait que les gens le considéraient comme un des pires Star Wars. Donc voilà. Et on me dit Lindelof a été fidèle sur Watchmen. Franchement, je pourrais pas vraiment dire parce que comme je te dis, j'ai vu que les deux premiers épisodes. Mais les deux premiers épisodes, par contre, n'ont strictement rien à voir avec Watchmen. Enfin. Moi, ça me fait mal au cœur. Et en plus, enfin, c'est pas que ça. C'est aussi non. Là, j'avais dit, je passe par là. C'est pas que ça. C'est que... Moi, je... Enfin, si vous voulez, ça me choque pas que quelqu'un prenne une œuvre et se la réapproprie et en fasse quelque chose de personnel. Je trouve que c'est même plutôt sain. Évidemment que si on devait vivre dans le passé de gens qui ont fait des trucs avant, ça tournerait vite en rond. Après, on peut aussi lui dire, mais pourquoi du coup t'as pris Watchmen ? C'est pour faire un truc vraiment complètement différent de Watchmen. Est-ce que je dis nouveau, je répète encore une fois, que pour les deux premiers épisodes de Watchmen, j'ai pas vu le reste, et peut-être que c'est génial après. Franchement, je me... Et peut-être du coup que c'est complètement, il va me prendre un coup de pied, je vais regarder la suite et je vais dire, ah ouais, en fait il a été malin. Mais ce que j'ai vu dans les deux premiers épisodes, c'est absolument pas Watchmen. Il fait une adaptation, c'est X-Men en fait qu'il adapte. Ce qu'il adapte, c'est l'histoire de Magneto qui a vécu des drames, des massacres. Donc en l'occurrence, c'était l'Holocauste pour Magneto. Et du coup, il prend tout ça pour ce que je pense va devenir un super-héros. Parce que c'est évident que s'il commence sa série par une série sur les super-héros qui commence par un massacre, c'est forcé qu'il y a quelqu'un qui était là. Et puis en plus, ça te montre un gosse au début, donc c'est sûr que ça va être ça. Mais vous voyez, ce qu'il fait, c'est un truc de X-Men. Ce truc-là, de j'utilise le concept de super-héros pour parler de racisme, de minorité. X-Men, ça parle aussi beaucoup d'homosexualité, par exemple. Tous ces trucs-là, c'est super cool, mais ça, c'est les thèmes de X-Men. Moi, je considère que les gens, effectivement, ont raison de se réapproprier des œuvres. Je vais essayer de passer là, et ça va être tout bleu, et je tourne en rond. Eh oui, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais donc... En vrai, c'est génial. Après, Karim, avance un peu, tu verras. Et franchement, je veux bien y croire. Je veux bien y croire. Regarde la série dans son ensemble. Tu es totalement à côté pour Watchmen. Donc ça va pas être ça. C'est, il va prendre complètement le contre-pied du truc. C'est possible, hein, je sais pas. Mais je vous dis aussi, j'ai pas confiance pour plusieurs raisons. Et il y a un truc aussi, c'est le personnage de Lindelof qui me... C'est pas une attaque personnelle sur lui, c'est quelqu'un que je respecte quand même, parce que apparemment The Leftovers c'est génial, j'ai jamais vu The Leftovers, mais pour le coup tout le monde dit que The Leftovers c'est vraiment cool. Et Lost, j'ai vu que la première saison, donc pareil, j'ai rien à dire sur Lost. Mais par exemple, je peux dire concrètement que ce qu'il a fait sur Prometheus, c'est effroyable. Ça, je le dis vraiment, et là je le pense, quoi. Je trouve ça horrible ce qu'il a fait sur Prometheus, parce que le scénar de Prometheus, qui était Alien Engineers, était à peu près correct en fait. Mais il a rajouté un côté ultra suffisant, prétentieux, et c'est un truc que je retrouve pas seulement dans sa création, dans ce qu'il fait, enfin pas que dans Prometheus, mais aussi dans la façon dont il parle. Moi, je trouve ça horrible en fait ce qu'il a dit. Je sais pas, ça a choqué personne, tout le monde s'en fout et tout le monde est allé pour dire ouais, Alan Moore c'est un bouffon. Il y a aussi le truc, et là je vous le dis, je suis pas objectif, je suis ultra fan d'Alan Moore, parce qu'il y a pas que Watchmen, hein. Je suis ultra fan d'Alan Moore, j'adore From Hell, j'adore la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, même Jack B. Quick, je trouve ça génial. Je suis ultra fan d'Alan Moore, je trouve que c'est un des plus grands génies de l'histoire de la bande dessinée. C'est facile à dire, tout le monde le pense, le mec a une tête de gourou et il y a une espèce de secte de gens qui le vénèrent, mais moi je trouve que c'est quelqu'un d'absolument brillant. Et le fait de lui dire fuck you Alan Moore avec parce que du coup Alan Moore, alors pour raconter l'histoire du coup de qui est Alan Moore, donc Alan Moore c'est un auteur de bande dessinée qui est britannique et qui a du coup changé l'histoire de la bande dessinée américaine avec Watchmen.
dans les années 80. Et Alan Moore, depuis l'adaptation d'une autre de ses BD qui est La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, a dit je ne veux plus que Hollywood touche à mes bandes dessinées. Enfin, c'est pas ça. Il n'a pas dit je veux plus que Hollywood touche à mes bandes dessinées. Il a dit simplement je ne veux rien avoir à faire avec ça. Il a dit en fait, en gros, faites ce que vous voulez, mais vous ne mettez pas mon nom dedans. C'est ça qu'il a dit, Alan Moore. Ce qui est pour moi en fait une preuve d'intégrité, mais du coup bon, il y a d'autres gens, j'ai vu sur internet, qui le considèrent pas comme ça, parce que du coup quand Lindelof a dit Alan Moore il veut rien avoir à faire avec Watchmen, c'est extrêmement prétentieux, parce que pareil, il dit pas il veut rien avoir à faire avec la série Watchmen, il dit il veut rien avoir à faire avec Watchmen, tu fais mais si, non c'est lui qui l'a fait en fait Watchmen, bon bref. Mais du coup il a dit moi je, parce que du coup il avait discuté avec Alan Moore lui a dit, comme il dit à tout le monde, c'est pas spécialement contre lui, est-ce que j'ai refait la même connerie? Oui, j'adore, je vais arrêter le jeu et je vais passer à un autre, hein, plutôt que de tourner en boucle sans cesse. Mais je finis ce que j'ai commencé sur Lindelof sur Watchmen. Mais tu vois, il a dit fuck you. Il a été voir Alan Moore lui a dit non, c'est pas fais des safe states. Bah, franchement, j'hésite. Mais bon, je fais une pause pour finir ce truc-là, sinon je vais me perdre dans mes pensées. Donc il dit fuck you Alan Moore, et en fait le truc qu'il explique, parce que du coup il a rencontré Alan Moore lui a dit je veux rien avoir à faire avec ce projet, c'est encore une adaptation hollywoodienne d'une de mes BD, vous ne pouvez pas le faire, ça va pas être bien, je veux rien avoir à faire avec ça, vous mettez pas mon nom au générique, c'est ce qu'il a dit Alan Moore. Il a dit par contre vous faites ce que vous voulez. Et en fait lui du coup Lindelof il a dit mais je vais adapter le côté punk d'Alan Moore et je vais lui dire va te faire foutre Alan Moore, parce que si quelqu'un avait dit à Alan Moore fais pas ça, Alan Moore il aurait répondu va te faire foutre je le fais quand même, ce qui est probablement vrai. Et donc il a dit bah c'est en fait c'est à la fois une insulte mais en même temps un hommage, c'est à dire qu'à la fois je dis va te faire foutre Alan Moore mais on dirait Sisyphe, un bande de bâtards, mais voilà je le dis de façon respectueuse parce que Alan Moore il aurait fait comme moi, mais en fait non. C'est pas pareil. Alan Moore, quand il dit « va te faire foutre, je le fais quand même », il le dit à des multinationales. Lui, c'est un auteur de bande dessinée indépendant anglais qui s'adresse à des grosses sociétés de production hollywoodienne qui ont beaucoup d'argent, et il lui dit « va te faire foutre ». Quand Lindelof dit « va te faire foutre » à Alan Moore, c'est en fait une grosse société, une grosse chaîne de télévision qui est HBO, qui dit « va te faire foutre » à un auteur indépendant anglais. C'est pour ça qu'il y a une différence fondamentale et que non, ça ne marche pas, en fait. Ce raisonnement-là, je l'ai trouvé en fait vraiment horrible, et là, je me suis dit « mais Lindelof, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi ? Est-ce que tu comprends que quand Alan Moore dit « va te faire foutre Disney, va te faire foutre HBO », ça veut dire je veux bien ne pas toucher d'argent, je veux bien être plus pauvre par intégrité. Quand toi, tu dis « va te faire foutre Alan Moore, j'adapte quand même ta BD », ça veut dire je veux me faire plus d'argent, quoi que t'en penses, en fait. Et c'est une différence quand même assez fondamentale, que si normalement, enfin, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée, en fait, de faire ça. Si je bossais pour HBO, je dirais pas « Alan Moore, va te faire foutre ». J'ai trouvé ça extrêmement irrespectueux, en fait, de sa part. Et du coup, en voyant les premiers épisodes, en fait, ça a fait écho, si vous voulez. Comme j'ai vu Lindelof dire ça, et que j'ai vu les premiers épisodes de Watchmen, qui, du coup, pour moi, avaient strictement rien à voir avec ce que racontait Moore dans sa bande dessinée, et ben, je me suis dit, le mec, en fait, s'en fout, et du coup, je vais pas poursuivre. Et c'est pour ça que j'ai pas regardé les autres épisodes. Mais si vous me dites que je me trompe, et qu'effectivement, bah, par la suite, ça devient complètement différent, et ça devient vraiment génial, je vous crois sur parole, et je regarderai, du coup. Mais en même temps, voilà, c'est. Genre, ça fait chier, quoi. Ça fait chier qu'on soit dans une époque où. Parce que le truc qui m'a encore plus saoulé, c'est pas tant qu'il ait dit ça. C'est les réactions des gens ensuite que j'ai vues et qui se sont mis à dire effectivement, Alan Moore, c'est un vieux con, c'est un vieux grincheux. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en fait que le fait d'être intègre, c'était désormais considéré comme une tare. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de dire. Parce qu'en fait, quand Alan Moore dit, vous mettez pas mon nom à la fin du générique, lui, ça lui coûte rien en vrai. S'il disait, oui, vas-y, vous pouvez le faire, mettez mon nom, il repart avec un chèque. Le fait qu'il dise, ne mettez pas mon nom, ça veut dire qu'il sera pas payé. De quelque manière que ce soit, il touchera pas un centime sur la licence qu'il a lui-même créée. Et non seulement Watchmen, c'est une BD qu'il a lui-même créée, donc c'est une BD de son invention, mais en plus, c'est aussi la raison, ça l'a détruit Alan Moore, Watchmen en fait. C'est-à-dire qu'il l'a fait, il s'est embrouillé ensuite avec DC Comics, parce que DC Comics voulait faire des produits dérivés de ces personnages de Watchmen. Ils ont commencé à sortir, ils avaient pour projet de sortir genre un jeu de société, un jeu de plateau, Watchmen, etc. Et lui, il était complètement contre. Ils ont commencé à sortir des pins ou des conneries comme ça. Lui a dit non, mais vous sortez pas de produits dérivés sur mon truc. Ils ont dit non, mais c'est pas des produits dérivés, t'inquiète, c'est de la promotion pour la BD. Des trucs comme ça, ils ont essayé de lui mettre à l'envers une fois, deux fois. Contractuellement, ils l'ont baisé. Je crois qu'Alan Moore à un moment a répondu en disant non mais ok bah j'ai compris, vous avez gagné, vous allez prendre les thunes, il y a pas de problème, par contre vous serez heureux de savoir que je ne travaillerai plus jamais avec vous. Et DC s'est permis ensuite, donc parce que après ils se sont rendus compte que Watchmen c'était devenu complètement culte, donc ils ont rappelé Alan Moore a dit non, souvenez-vous vous m'aviez niqué, donc j'ai dit stop. Et ensuite
Et ensuite, du coup, ils ont repris ces personnages DC Comics au moment, je crois, des New 52. Je les ai pas lus, mais il y a eu Before Watchmen déjà, et il y a eu aussi comment ça s'appelle ? La nouvelle BD, enfin pas la nouvelle BD, mais qui reprend ce truc-là, je sais plus. Mais en tout cas, ils ont intégré les personnages de Watchmen à l'univers DC Comics désormais, donc vous pouvez avoir des trucs avec Superman et Dr. Manhattan, ce qui, je pense, aurait fait criser, en fait, Moore. Et du coup, c'est une espèce de suite de manque de respect à quelqu'un que j'estime énormément, parce qu'il a fait pour moi les meilleures bandes dessinées que j'ai jamais lues de ma vie, donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, et c'est, j'ai l'impression qu'on lui lâche mollard sur mollard depuis les années 90, depuis la fin des années 90, et ça me déprime, et que Lindelof s'intègre dans ce mouvement-là, même pas en faisant la série, mais simplement en disant « va te faire foutre Alan Moore », moi, ça fait que ce gars-là n'a pas du tout ma sympathie, quoi. Tu peux pas parler comme ça à un mec comme Alan Moore, qui est en plus, parce que tu le prends sur l'intégrité, il est intestable. Le mec a fait... Alors par contre, je vais vous dire un truc aussi, parce qu'il faut que je le précise quand même, parce que j'ai lu des trucs qui étaient complètement... J'ai lu des gens qui étaient contre la série Watchmen sur Internet et qui disent des trucs qui, pour moi, sont des conneries. C'est-à-dire que le gros argument qui revient, c'est vous avez pris une série de super-héros, vous l'avez transformée en une œuvre politique, ça, c'est trahir l'œuvre. C'est strictement faux. Watchmen est une œuvre éminemment politique, c'est une œuvre même militante, plutôt engagée, c'est un truc de gauchiste. Alan Moore, c'est un gauchiste de ouf. Il était complètement, à l'époque de Occupy Wall Street, il était à donf à Occupy Wall Street. Il a fait V pour Vendée détail qui est un truc révolutionnaire, etc. Donc ça, c'est des trucs qui appartiennent à la bande dessinée et qui sont dans Alan Moore. Et les personnages de super-héros dans Watchmen sont décrits par Moore comme des fascistes. Ça, c'est un truc qui est vrai. Ça, c'est vraiment dans la BD. C'est pas sur ça que je le reprends. Mais par contre, en fait, ce que j'ai eu l'impression, et vous me dites du coup... alors attends, tu me dis du coup fan Sirodi, du coup tu kiffes du coup Lindelof respecte de ouf l'œuvre en vrai, tu verras, je t'assure. Non mais je te crois de ouf. Moi en fait ce que j'ai eu peur, c'est qu'il occulte, je vais dire, parce que pour moi en fait le gros problème que j'ai, qui est, bah là c'est pour le coup on peut pas le reprocher ni à Lindelof ni à qui que ce soit en fait, mais c'est simplement que Alan Moore c'est un auteur anglais, donc quand il parle de l'état de l'Amérique dans les années 80, il parle d'un point de vue quand même extérieur, tu vois, c'est-à-dire que c'est le point de vue d'un Européen sur l'impérialisme américain. Là, du coup, j'ai eu l'impression que la direction, mais du coup, je comprends que je me trompe, mais c'est juste pour t'expliquer ce que moi, j'ai eu l'impression de voir, c'est que j'ai eu l'impression que c'était des Américains qui parlaient de problèmes internes de leur pays, c'est-à-dire que toute la dimension géopolitique de Watchmen, qui est très intéressante, parce que ça parle de la guerre froide, en fait, donc voilà, j'ai eu l'impression qu'elle était occultée, voilà, avec les premiers épisodes, mais peut-être que je me gourre. Il y avait des indices, quand même, qui me faisaient dire que peut-être que je me gourre, notamment le fait qu'il ait pris, du coup, Robert Redford comme président, etc., donc, et qu'il en fasse, du coup, j'ai l'impression qu'il en fait une société très démocrate, etc. Donc ça, pourquoi pas, mais bonsoir à tous, bonsoir aux gens qui nous rejoignent, bonsoir Shinodia, gros bisous. Ouais, pardon, on va couper ce jeu où je tourne en boucle parce que je sais que vous vous foutez de ma gueule à l'intérieur de vous. Donc je vais passer sur ce petit loading. Je vais finir mon propos sur Watchmen et je reprendrai sur un autre truc. Mais vous me dites, voilà, donc ça par exemple, c'est un truc qui me rassure. Quand Dutsil dit, après on va pas te spoil l'aspect géopolitique, donc ça veut dire que ça arrive après. D'accord, ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, bon, bah, du coup, ça arrive après. Mais si tu veux, voilà, c'est un truc. L'impérialisme anglais, on en parle. Oui, on en parle. Il en parle aussi, Alan Moore, dans d'autres BD, tu vois, de l'impérialisme anglais. Mais là, Watchmen, bah, il parlait des mythes de super-héros, donc il faisait un truc sur les États-Unis, quoi. Mais du coup, c'est ça, tu vois. Et moi, en voyant Watchmen, en fait, je me suis dit qu'il allait reprendre. Et du coup, peut-être que je me trompe, effectivement. Je me suis dit, bah, si tu adaptes Watchmen à la situation d'aujourd'hui, enfin au monde d'aujourd'hui, tu fais quand même une œuvre géopolitique et tu parles, disons, des rapports de je sais pas, de la Chine, de la mort de l'impérialisme américain. Parce qu'entre-temps, il y a eu le 11 septembre, il y a eu les années 2000 qui sont la chute de l'Empire américain. Ce qui fait de l'Empire américain probablement un des empires les plus courts hein, de l'histoire des empires. Ça a duré 200 ans à peu près, du coup, parce que là, c'est en train de crever. Mais du coup, tu parles de la place des Chinois, éventuellement, de la Russie, tu parles des relations... tu parles de ça, en fait. Ça devrait sous-tendre. Mais en fait, comme il a continué la dystopie qui a commencé dans les années 80... l'Uchronie qui a commencé dans les années 80 dans Watchmen, en fait, du coup, bah, son président, il est démocrate. Mais du coup, ça parle plus vraiment du gouvernement américain comme il existe aujourd'hui, étant donné qu'on a Trump. Alors peut-être qu'il va faire des trucs un peu... peut-être qu'il va essayer de commenter un peu l'époque Obama, éventuellement. Je sais pas si c'est vers ça que ça va aller. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas où ça va aller. Écoutez, je regarderai le reste de la série. Je vous ferai un feedback de ce que j'en ai pensé. Mais vraiment, ouais, moi, ça m'a dérangé parce que, en fait, et c'est ce à quoi je voulais en venir, je trouve ça super que les gens se réapproprient des œuvres. Mais ça, après, c'est évidemment, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire.
Moi, je considère que quand même les œuvres, les licences, les sagas ont, j'allais dire, un code génétique. Il y a des thématiques qui sont essentielles et fondamentales, qui sont inscrites dans les personnages. C'est-à-dire que c'est dur de faire un film sur Captain America sans parler justement de l'imaginaire des militaires américains, en fait, de l'armée américaine. Pour moi, c'est compliqué de faire d'adapter X-Men et de ne pas parler de discrimination, par exemple. Si vous faites un X-Men et qu'en sous-texte, il n'y a pas au moins vaguement quelque chose qui a à voir avec le racisme, l'homophobie ou quelque chose, un sujet comme ça, bah, pour moi, vous ratez l'opportunité que vous donne l'œuvre de base, en fait. Et plein d'autres choses comme ça, si vous voulez, je pourrais continuer sur tous les sujets. Voilà, c'est tu peux pas faire Spider-Man sans parler un tout petit peu au moins de culpabilité. Sinon, le pourquoi tu fais Spider-Man, tu vois. Du coup, là, faut vraiment prendre autre chose pour en parler. Et ça, c'est un truc qui est dans ma tête. Vous avez le droit de penser que c'est stupide et qu'on peut prendre n'importe quel personnage et faire un truc qui a rien à voir et en changer l'ADN. Mais moi, je pense que c'est important parce que. Parce que du coup, et ensuite, c'est aussi le fait qu'il l'appelle Watchmen tout court, hein, qui joue bien sûr. Parce que s'il avait appelé ça Watchmen la série, j'aurais eu vraiment pas beaucoup de critiques à faire dessus, en fait. Mais là, il a fait vraiment, c'est Watchmen, quoi. Et du coup, je me dis, mais s'il a zappé les thématiques, tu dis, non, mais X-Men, c'est devenu à chier, ça reste mes comics préférés, mais en film, c'est nul. Oui, c'est vrai, mais les derniers X-Men, ils sont nuls. J'ai pas vu Dark Phoenix, mais Ah merde, celui d'avant, le Apocalypse, c'était assez raté, je trouve. X-Men 3 était nul, par exemple. Mais parce que ce sont des films qui parlent justement pas de ça. Tu vois, les meilleurs X-Men, c'est les X-Men 2. Pourquoi ? Parce qu'il y a Nightcrawler, qui du coup a un visage bleu, etc. Donc il va subir cette discrimination par rapport à sa couleur de peau. Parce qu'il y a Magneto, qui du coup a vécu l'Holocauste, la Shoah, et du coup, lui a une position un peu ambiguë sur ce qu'il faut faire des humains, etc. Donc, c'est, tu vois, les bons films X-Men, ce que je considère. Le 2, je trouve que c'est vraiment un bon film. Enfin, il y a en tout cas des trucs que je trouve intéressants dedans. Et le premier aussi, je trouve. Après, j'ai des problèmes esthétiques avec X-Men, mais bon, voilà. Logan, c'était pas mal aussi. Mais Logan, c'est un film Wolverine, tu vois, c'est pas un film X-Men. Wow, et on me lance un petit raid. Merci beaucoup à toi, Punky. Et coucou, Punky Boy. Je te connais. Merci beaucoup pour ce raid et bienvenue, du coup, aux spectateurs de Punky. Je vous embrasse très fort. Et putain, et je crois que mon bot vient de te faire du mal. Je suis désolé, je ne le contrôle pas. Il est complètement en mode HAL. Il est en mode HAL. Mais donc voilà, donc c'est enfin vous comprenez ce que je dis, c'est pas déconnant quoi. Parce que du coup, j'ai vu aussi qu'il y avait un enthousiasme énorme sur la série Watchmen et tout, que du coup, j'ai pas été publiquement contesté. Bon là, je le fais ce soir parce qu'on est en live, on est entre nous et que c'est Noël, mais j'ai pas été contesté ça où que ce soit parce que j'ai pas vu assez d'épisodes, donc je peux pas vraiment donner mon point de vue, mais j'ai cette crainte là. Et par contre, vous voyez, si ce que je dis se réalise et ce que j'imagine que va être la série sera la série, et que je le regarde jusqu'à la fin, je risque d'être vraiment colère contre Watchmen. Alors qu'en soi, il l'aurait appelé X-Men. Franchement, il aurait pris des personnages qui n'ont rien à voir avec les X-Men classiques. J'aurais vraiment rien dit. J'aurais trouvé ça cool. Je me dis, putain, c'est cool, il parle de sujets actuels et tout. Il le fait avec une licence où ça a du sens. J'aurais trouvé ça très bien. Mais là, le fait, Watchmen, ça, c'est pas les problèmes internes des Américains. Watchmen, c'est le problème de... les Américains, ils ont une super méga bombe nucléaire, entre autres, c'est une des thématiques. En même temps, tout le concept de vigilante, c'est un concept de fasciste. Donc ça, c'est un truc quand même qu'on retrouve dans la BD. Donc il a repris un petit peu de ce qu'est Watchmen, mais je comprends pas vers quelle direction il est allé, quoi. Et le truc qui me rassure pas, c'est aussi, oui, c'est ça, c'est aussi que j'ai vu une interview de Lindelof. J'avais complètement zappé ce truc-là, mais c'est un des trucs qui a fait que je me suis dit, ah merde, il va dans le truc où il disait justement. Il disait, j'ai essayé d'adapter Watchmen, donc les thématiques de l'époque, c'était la guerre froide, et l'équivalent pour lui, du coup, de la guerre froide, c'est le suprémacisme blanc. Et tu fais, mais non, là, ça, c'est un problème qui vous concerne, vous, enfin, le suprémacisme blanc concerne pas la Chine, ou d'autres trucs, mais c'est pas l'équivalent de la guerre froide. L'équivalent de la guerre froide, c'est le rapport entre Trump et éventuellement la Corée du Nord, ou quelque chose d'autre, quoi. C'est ça qui est le truc. Et du coup, comme il est parti, comme je l'ai entendu aussi dire ça, ça a ajouté au fait que je me suis dit, ah merde, c'est pas la direction que j'imaginais, en fait, ça me déçoit. Voilà. Ça a du sens avec les personnages de Watchmen, faut regarder, on était tous perdus jusqu'à l'épisode 3-4. Ouais, d'accord. D'accord. Donc je me suis arrêté vraiment là où il fallait pas, quoi. The Boys, j'ai bien aimé. The Boys, c'est assez proche finalement de ce qui est proposé, en tout cas thématiquement dans la bande dessinée. Même si je connais très peu la bande dessinée, hein, j'ai lu un tout petit peu. Voilà. Enfin bref. Bon bref, mais tout ça c'est pas très important de toute façon. On va relancer un petit jeu d'ailleurs. Qui sera cette fois la version NES dont je vous parlais. C'est juste pour vous montrer parce que je vous jure, je vais pas passer la première salle. Tellement le jeu, il est hardcore gamer de ouf. Le jeu, il est fait pour les tool-assisted speedrun. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est chaud de ouf.
Hop, je vais juste vérifier que tout roule bien. Tout roule bien? Ouais, tout roule pas trop mal. Tout roule pas trop trop mal. Faut juste que je décale cette petite boîte de jeu qui n'est pas bien placée. Hop. Et voilà. Alors attendez, je fais un petit reset. Je vous envoie le truc. Voilà. Donc d'ailleurs, sur NES, sur Nintendo NES. Et juste pour te dire, Karim Debache, meilleur Noël à le passer en ta compagnie et échanger sur Alan Moore. Oh, t'es trop mignon, merci beaucoup. Et puis, je veux pas non plus avoir l'air d'être un connard, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Watchmen, la série, et en vrai, ça fait quand même des gens qui parlent de Watchmen, et vu que c'est une œuvre qui est importante pour moi, franchement, c'est au moins cool qu'il ait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il a fait, c'est au moins cool qu'il ait remis dans la tête des gens cette œuvre fantastique, et si simplement ça peut donner envie éventuellement à des gens qui connaissent pas la BD de regarder, de lire la bande dessinée, eh bah, hésitez pas, franchement, parce que c'est vraiment, pour le coup, la BD, elle est intestable. Et vous savez quoi ? Tiens, je vais vous raconter une anecdote aussi, du coup, parce que du coup, je me suis dit en voyant les premiers épisodes pour vous dire, je me suis dit mais putain, j'ai préféré la version de Zack Snyder. Et la version de Zack Snyder, c'est un truc, je l'ai défendu beaucoup en privé, notamment avec des gens, je sais pas si vous connaissez Stéphane Moïsakis, c'est un journaliste aussi avec qui j'ai pu échanger et discuter de cinéma un petit peu. Et quand je lui ai dit ouais moi ça va la version de Snyder de Watchmen, j'aime bien, il m'a dit putain mais j'ai cru qu'il allait me taper. On était en train de boire un coup, je crois, et j'ai imaginé qu'il allait me lancer sa bière à la gueule. Parce que du coup, il me dit, mais c'est la pire des mères de l'adaptation Snyder. Et je lui dis, non, attends, c'est pas trop mal, il y a quand même des trucs cool. Au moins, c'est un peu fidèle. Au moins, il essaye, il rajoute une imagerie un petit peu vulgos par-dessus. Mais au moins, il respecte quelques trucs qui sont pas trop mal. Bon, pourquoi pas, j'aime bien. Le générique de début de Watchmen, le film de Snyder, est vraiment cool. Et en fait, du coup, j'ai revu la version de Snyder après avoir vu les deux premiers épisodes de la série. Et en fait, je crois que Stéphane Moïsakis a un peu raison, je suis pas fan non plus de la version de Snyder. Pour d'autres raisons, alors qui pour le coup n'ont rien à voir, mais ouais, pareil, je crois qu'il a pas compris de ouf la série, enfin la BD, pardon. Je crois que... Ah, attendez, ma manette ne fonctionne guère. Ah si, c'est bon. C'est bon ? Est-ce que je contrôle quelque chose ? Bonjour Théo, donc Théo qui est un peu le geek, qui va pirater le Nakatomi Plaza. Et Al, qui est donc le flic qui nous aide. Et là, ils disent prise d'otage, machin, etc. Donc, on commence bien après le début du film, hein, contrairement à la version PC Engine. Ok, je ne contrôle rien, donc je vais juste régler ma manette. Hop, bonjour RetroArch. Vous occupez pas, tout va bien se passer. Effectivement, je mets ma 8-bit d'eau. Ok, c'est bon. Voilà. Et donc, derrière l'arcade sur Saturn, j'hésite à vous en mettre un petit. Ah putain. Vous savez quoi, je vais mettre Advanced parce que j'ai jamais mis Advanced. Et en beginner, je me fais démonter. Donc, on va voir. Donc, du coup, je suis John McClane. Qui, pour le coup, ne ressemble pas du tout à John McClane. Je peux tirer et je peux normalement courir. Ouais, je peux courir et tirer. Et voilà, il y a des méchants. Et les méchants, ils tirent des balles. Mais ils tirent grave des balles. Waouh. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ok. Waouh. Oh, putain. Waouh. Donc, vous voyez ça. C'est presque un shoot en fait. C'est-à-dire que c'est presque un manic shooter. C'est Dodonpachi le bordel. Il y a des nuages de balles qui vous arrivent dans la gueule. En plus, c'est sur NES, donc franchement, c'est chaud de ouf le jeu. Il est trop dur. Attendez, je vais vous augmenter un peu le son. Qui est pas très fort. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Hop. RetroArch, oui, c'est un super émulateur, je trouve. Et donc voilà, je voulais juste vous montrer ce truc-là parce qu'en fait, ils ont intégré pas mal d'éléments du film au gameplay. Et je trouve ça sympa, même si le jeu est beaucoup trop... Vous avez vu ma barre de vie ? Elle est en haut à droite, ma barre de vie. J'ai perdu ça. C'est le premier ennemi du jeu. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire ça. Donc on est dans le Nakatomi Plaza et vous voyez le truc que je trouve un peu sympa, c'est pour rapprocher le héros. Merci beaucoup à toi. Oh là là, je me fais... Attends, laisse-moi me tire pas dessus, je lis des trucs. Merci beaucoup à toi. Oh waouh, il y a eu un truc de ouf qui s'est passé. Merci beaucoup à toi du coup, Great Noob Akema. Je suis désolé si je me trompe sur les pseudos et en lisant les trucs, parce que comme je vous ai dit, c'est un peu flou. Et qui a offert des subs. Donc tu as offert des subs et c'est trop mignon de ta part. Et tu as offert des subs à Jack9521. Bienvenue à toi, Jack. Tu as offert un sub à Zatax. Bienvenue à toi, Zatax. Tu as offert un sub à Danger. Attends, c'est comme ça. Je sais pas, je n'arrive pas bien à lire. À Deranger. Bienvenue à toi aussi. Tu as offert un sub à C'est quoi ce bordel, superbe pseudonyme, bienvenue à toi. Et tu as offert aussi un sub à Bob Morlock. Bisous à tout le monde, j'espère que vous allez être à l'aise ici, j'espère que ça vous fait plaisir d'être sub gratos. Et encore merci à toi avec nous, Akema. Mais donc voilà, ils ont essayé d'intégrer c'est pas grave, on va en reprendre une petite partie. Ah ouais, direct game over, voilà.
Tu reprends au début? Est-ce que... Oh, waouh, c'est génial! C'est génial! Mais allez, c'est parti! C'est parti! Allez, vous savez quoi? On y joue jusqu'à ce qu'on arrive à le speedrunner. Non, je déconne. On va absolument pas faire ça. Parce qu'il faut pas déconner. On y sera encore. Ah, Noël 2020! Mais putain! J'arrête! Mais c'est les pires terroristes du monde. Ils sont beaucoup trop forts. Et donc ouais, je disais, ils ont essayé d'intégrer des trucs du film au jeu, et notamment par exemple le fait que ce soit plus un homme du quotidien, disons, que la plupart des autres héros d'action, ça fait qu'il peut pas voir, vous voyez, à travers les murs. Enfin, waouh, il voit pas ce qui se passe à travers les murs, quand bien même c'est une vue du dessus. Ouais, carrément, fais ça mon gars, ouais, fais ça, n'hésite pas, tu me dis de toute façon, hein. Tu me dis, voilà, bah oui, c'est super. Est-ce que vous voyez la difficulté de ce putain de jeu de ouf? Sans déconner, mais c'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi. Hotline Miami sur Wish, ouais, c'est un peu ça. Ouah, j'ai chaud, je vais enlever mon pull tellement ils m'ont donné chaud en une partie. Bougez pas, j'enlève mon pull. C'est tout, ouais, non mais c'est n'importe quoi, putain, waouh. Mais là, ça te fait vraiment ressentir ce qu'a dû vivre John McClane pendant ce moment effroyable. Putain. C'est pas possible de faire des jeux de la sorte. Et vous allez voir qu'ils ont repris d'autres trucs. Pardon. Ils ont repris d'autres trucs aussi du film, et notamment, et le truc qui est culte évidemment, le côté j'ai pas de pompe, donc on est pieds nus visiblement dans le jeu aussi, et si quelqu'un pète du verre et qu'on marche dessus, et ben on prend des dégâts. Et je me demande si on perd pas du sang aussi, parce que c'est très important le fait qu'on perde du sang. Ouais, dans le film. Ouais, mais oui, bah bien sûr, fais ça. Oh. Ça, après, si vous le finissez en difficile, franchement, vous êtes des hardcore gamers de ouf. Hein. Je vous rappelle que j'ai fini Dark Souls. Oh, putain. Vas-y. Putain. Mais je crois que c'est un peu en mode, ils repop pas quand tu les tues. Je crois que c'est genre leur cadavre reste même. Et la musique aussi, la musique du stress. Waouh. Oh là là, et ouais, ils peuvent se cacher derrière les murs du coup. Oh, c'est horrible. Vous avez vu ma barre de vie? Sans déconner quoi. Sérieusement, j'ai affronté deux ennemis quoi. Ouf, et je perds des clopes. Oh là 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 là. T'as aimé Dark Souls? Oui, je trouve que c'est un des plus grands jeux de tous les temps en fait. J'ai adoré ce jeu. Je l'ai découvert super en retard. C'est très récemment que je l'ai fait. C'est cette année, c'est 2019. J'ai fait Dark Souls. Mais j'ai adoré, j'ai trouvé ça grandiose. Absolument grandiose. Waouh, non! J'ai vécu, franchement, en plus, sans déconner, une des meilleures expériences de jeux vidéo de ma vie, où des moments de solitude et de tristesse aussi, évidemment, parce que c'est Dark Souls. Mais c'était trop bien. Alors, pas que je gaspille. Oui, parce que évidemment, les munitions sont limitées, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et si j'appuie sur Select, je peux changer d'arme et donc tirer des. Ouais, c'est ça, je peux tirer ça aussi. Sont des espèces de grenades un peu paralysantes. Mais il y en a pas beaucoup. Ouais, carrément. Mais oui, mais t'as bien raison. Mais moi aussi, j'étais énervé, moi. Oh, putain, non, mais c'est pas... Et là, je suis au point, là. Là, je suis au point, donc là... Tiens, meurs. Moi, les 100 000, pourriture. Voilà, c'est bon. Je retire des trucs. Et on ramasse des clopes aussi. Alors, je sais pas à quoi ça sert, du coup. Est-ce qu'on peut... Ah non, c'est des radios, c'est pas du tout des clopes, je suis un ouf. Mais John McClane fume des clopes, donc c'est pour ça que j'imaginais ça. J'ai quoi comme arme? J'ai un SMG. Est-ce que je peux en changer? Non, je l'ai. Je pense pas qu'on puisse en changer comme ça. Ah, c'est la terreur. Ça, c'est de la vie. Oui. Putain, c'est juste deux barres, les gars. Allez. Tu as déjà participé? Est-ce que tu as déjà... Fritz! Va checker le 32e floor. Ah oui, parce qu'en haut à gauche, vous avez effectivement l'étage dans lequel vous êtes, qui est inscrit, ce qui effectivement est aussi très important. Non, j'ai jamais participé à un podcast No Ciné avec Rafik. Je sais plus s'il m'a déjà proposé d'ailleurs. Je sais plus. De toute façon, j'adore Rafik. J'aime beaucoup les podcasts No Ciné aussi. J'aime beaucoup Mozaki. J'aime beaucoup tous ces gars-là. Je les trouve super cool. J'aime bien Dupuis. J'aime bien Bordas. Je trouve que c'est des bons journalistes. Oh, qui parlent de très bons films. Et qui en parlent extrêmement bien. Et je me fais défoncer, évidemment. Oh là 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 là. C'est bon ça? C'est quoi? C'est un lance-flamme? Faudrait que je cours peut-être un peu plus en fait. Mais non, je suis allé sur une balle. Bon, là c'est moi qui suis con. Je vais réessayer une fois de juste peut-être passer le 32e étage. Ou éventuellement un truc comme ça. Meilleur film de 2019? Eh ben je crois que c'est... Et là, bon, pour le coup, ça va en contradiction avec ce que je disais. Parce que je disais que les films hollywoodiens c'était plutôt mon truc. Mais du coup, c'est un peu hollywoodien. C'est Spider-Verse. Spider-Verse, j'ai trouvé ça fantastique.
Attends, on commence à un autre étage, je savais pas qu'il y avait ça. On commence à des étages aléatoires où il y a des trucs comme ça, je peux monter là? Bon, ça a l'air d'être un jeu en fait vraiment cool, dans le sens où il y a l'air d'avoir plein, c'est ce que je vous disais, ils ont vraiment, tu sens qu'ils ont vu le film et qu'ils essaient de faire un truc un peu fidèle. En fait, le problème c'est qu'il est vraiment trop dur quoi. Ça aurait été un jeu, franchement, 2-3 fois moins dur, ça aurait été une tuerie je pense. Il y avait, et dans le même délire, oh je peux vous le montrer même si c'est pas trop Noël, parce que je me souviens que j'y jouais ça quand j'étais jeune, il y avait True Lies aussi. Il y avait l'adaptation de True Lies, ouais. L'adaptation de True Lies sur Super NES et Mega Drive qui était pareil vu du dessus et qui était pas facile non plus, mais a rien à voir avec ça, hein. C'était au moins t'avançais quoi. Un peu plus simple quand même. Et j'ai pas encore vu Parasite aussi, quand même, qui est quand même à préciser. Et ça c'est de ma faute, c'est juste que j'avais la flemme. J'avais la flemme d'aller voir au ciné. Parce que ouais, il y a des trucs, parfois c'est compliqué, quand les films passent pas au cinéma de Fougères, c'est-à-dire qu'il faut se déplacer loin et j'ai pas de bagnole, moi je conduis pas. Du coup c'est compliqué d'aller voir plein de films. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a commencé, pour tout vous dire, à présenter des films dans le cinéma de Fougères avec Seb, parce que ça nous faisait chier pour aller voir des films, et notamment des films en VO, de devoir se déplacer. Et du coup on a proposé au cinéma, on a proposé au cinéma d'effectivement de venir présenter des films, parce que en fait dans les petites villes, souvent quand ils passent, c'est ce que nous expliquait le patron du ciné, qui est un super cinéphile, un mec très sympa d'ailleurs, le patron du cinéma de Fougères, j'aime beaucoup. Bon, c'est un plaisir de discuter cinoche avec lui. Et en fait, il me disait, ouais, mais on passe des films en VO, il y a personne, quoi. Ça arrive, en fait, et personne ne vient. Et parfois, même, les distributeurs demandent à ne pas passer les films en VF. Ils demandent à ce que les films soient pas diffusés en VO pour qu'il y ait un peu plus de gens qui viennent les voir, quoi. Dans les petites villes, souvent, ils font ça. Et du coup, on lui a dit, bah, écoute, nous, on présente le film, du coup, il y aura un peu plus de monde, peut-être qu'il viendra, et du coup, on pourra éventuellement voir les films en VO. Ce qu'on a fait, et ce qui est super cool. Parasite, c'est du très bon, j'en doute pas une seule seconde. Par contre, un de mes polars préférés de tous les temps, c'est Memories of Murder. Moi j'adore Bong Joon-ho, je trouve que c'est... On m'a volé le DVD de Memories of Murder. J'avais le collector de l'époque et on me l'a volé. Quoi. Habiter Fougères sans bagnole, à mes yeux, c'est survivre. Franchement, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas vrai, je trouve que c'est tout à fait jouable. Je traverse la ville à pied, je la traverse de ouf. Pour aller au taf, j'y vais avec Seb parce qu'il habite juste à côté de chez moi, donc on se débrouille. Franchement, ça se gère. Fougères sans caisse, ça se gère. Donc ouais, mais faut que je vois Parasite absolument, apparemment c'est génial, je suis très fan du réalisateur. Il y a plusieurs films que j'ai pas vu cette année aussi. Mais voilà, mais je crois que vraiment la grosse claque que j'ai pris, ouais, le Spider-Verse, j'ai trouvé que c'était parfait. Parfait, tout était parfait, c'est beau à en mourir. Là c'est pas moi qui joue, c'est la console et elle se fait marave. C'est Activision qui joue et il se fait défoncer. Ça gère la fougère ça gère, évidemment. Voilà, alors... Karim, que penses-tu? Je pense que c'est non. Penses-tu qu'avec l'arrivée massive du coup de plein de services à la demande, on va voir un ras-le-bol des gens et un certain renouveau d'Hollywood pour combattre ça? Mais en fait, le problème, c'est que Hollywood réagit pas si bien que ça au stress. C'est que quand tu leur mets la pression, tu leur dis oh les gars, je vous laisse défiler des images du jeu parce que du coup vous en voyez un peu plus. ils voyagent entre les étages. Mais en fait, je trouve que Hollywood, ils réagissent pas bien, c'est-à-dire qu'ils essaient d'être dans la débauche, en fait, d'être dans la démesure à chaque fois que ça va mal. C'est ce qu'ils faisaient dans les années 60, hein. C'est ce qu'ils ont fait avec le Cléopâtre de Mankiewicz et plein d'autres grosses productions de l'époque, qui du coup, en fait, parce qu'à l'époque, c'était pour se battre contre la télé, et aujourd'hui, je pense que c'est pour se battre contre Netflix ou contre Internet, vaguement, c'est ce que j'imagine. Mais en fait, ils font des films qui sont... dans une espèce d'explosion. Par contre, alors attendez, parce que je dis que les films hollywoodiens d'aujourd'hui me conviennent pas. Par contre, les gens qui créent les films, c'est-à-dire que les gens qui font les effets, les chef-op, les techniciens, sont des magiciens modernes. Soyons tout à fait d'accord, ce sont des gens incroyablement brillants, des génies qui en plus bossent plus que n'importe qui peut bosser. Franchement, pour avoir bossé ne serait-ce que sur des petits films en FX, déjà tu vois que t'es dans le rush tout le temps, tu dors pas, enfin t'es dans le speed de malade. Et j'ai des potes en plus qui bossent sur des gros films hollywoodiens en effets spéciaux et je peux vous dire que ça rigole pas du tout. C'est vraiment des tafs, mais c'est épuisant quoi. C'est vraiment vraiment beaucoup de boulot. Et du coup voilà, eux sont des gens qui méritent tout le respect du monde et qui sont des gens de grand grand talent. Et le résultat est magnifique. Moi je trouve que quand je vais voir un film de hollywoodien aujourd'hui, quand même j'en prends plein la gueule. Hein. J'aime pas les films pour plein de raisons, mais visuellement c'est des trucs de malade. Moi le dernier Blade Runner, je vous en ai probablement déjà parlé, mais 2049, j'ai trouvé ça pas bien, j'aime pas le film, mais par contre visuellement il y avait des trucs complètement fous, enfin c'est incroyable. Et quand même il faut aussi rappeler ça quoi, il y a la séquence dans le toit avec l'hélico et tout. J'ai beau dire que j'aime pas scénaristiquement ce que sont les films hollywoodiens d'aujourd'hui, j'ai beau dire qu'il y a moins de il y a pas la créativité en termes de mise en scène que je retrouvais dans le cinéma que j'aimais bien, il y a ne serait-ce qu'il y a quelques années, mais pour autant
c'est quand même des divertissements de ouf. Hein. C'est, moi, je comprends tout à fait qu'on puisse aller voir ça et se dire putain, je vais voir des trucs exploser et tout, ça va être complètement fou, parce que c'est complètement fou. Enfin, c'est dingue ce qu'ils font, quoi. Mais même dans des films un peu mineurs, hein, tu vois, prendre n'importe quel truc, un Godzilla, un machin, c'est quand même des trucs de malade. Voilà, je connais d'ailleurs la personne qui a une des personnes qui a bossé sur Godzilla. C'est quoi le Spider-Verse ? Non, Spider-Verse, c'est pas un arc, c'est un... Parce que là, il y a quelqu'un qui me demande, du coup, qui pense que ça commence à un film et que ça se termine à un autre. Mais en fait, non, c'est Spider-Verse, c'est le film d'animation Spider-Man qui est sorti. Qui s'appelle... Je sais plus comment, c'est quoi le titre français ? En anglais, c'est Welcome to the Spider-Verse, je crois. En français, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est genre un truc genre New Generation ou un truc comme ça. Ça doit être genre Spider-Man... ouais, c'est Into the Spider-Verse dont je parle. New Generation, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est New Generation. Ça, j'ai pris une claque, hein, j'ai trouvé ça mortel. Vraiment mortel, mortel. Intestable, y a rien à retoucher. Le méchant, il défonce. Enfin, tout défonce, ça défonce, Spider-Man. Voilà, j'ai vu Pino Simple Flic sur TF1 l'autre jour, visuellement, j'ai pris une claque. Ouais. Je regarde plus trop, mais je regarde plus du tout la télé, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque. C'était les Charlots, moi. Les Charlots passaient beaucoup quand j'étais jeune. T'as vu Les Misérables ? Non, pas encore, et j'en attends énormément, ça, par contre. La Julie, ouais, y a pas de problème. Ça, j'en attends beaucoup. Parce que tout le monde m'a dit, ouais, c'est le meilleur film sur la banlieue depuis La Haine. Donc, j'ai trop envie de le voir. Merci beaucoup à toi, Tatsuki Irinai, pour ce Prime. Je t'embrasse très très fort. Volontairement, je ne lance pas de jeu, juste parce que on va profiter du minuit pour se souhaiter un bon joyeux Noël. Et ensuite, je lancerai une autre licence de jeu. J'hésite entre Gremlins et Home Alone. Vous me direz ce que vous préférez. Moi, on peut faire les deux. Allez, on va faire les deux. On va faire quelques jeux Home Alone et quelques jeux Gremlins. John Wick, je trouve ça cool. Je trouve ça cool, John Wick. J'ai pas vu le 3, pardon, j'ai pas vu Parabellum. Mais les deux premiers, j'ai trouvé ça mortel. Ça, c'est vraiment trop bien. Ouais, non, c'est trop cool, John Wick. Et ça, pour le coup, voilà, c'est une nouvelle licence d'action qui défonce avec des nouveaux personnages. Ça envoie, c'est super cool, c'est super fun à regarder. Il y a quelques films d'action que j'ai bien aimé. Ça date peut-être de 2018, peut-être que je vous dis une connerie. Mais comment il s'appelle ? Upgrade, j'avais trouvé ça vraiment cool. Si vous aimez bien les... Ça fait vraiment un peu film... C'est un peu 80s, dans le feeling. Mais Upgrade, c'est vraiment charmé. Il y avait quoi d'autre ? Gilles, il m'a recommandé un film. Il m'a dit, il faut absolument que tu regardes ça, c'est génial. Et je l'ai toujours pas vu. C'est... putain, c'est Mel Gibson. Ah ! C'est pas réalisé par Mel Gibson, pardon, mais il joue dedans. C'est un... Concrete, il y a béton dans le truc, il y a Concrete. C'est Cross the Concrete ou un truc comme ça, je sais plus. Mais il m'a dit, il faut absolument voir ce film, c'est un truc de ouf. Et j'ai toujours pas eu le temps de le voir, mais je le materai. Parce que là, du coup, je suis en vacances, hein, c'est aussi ça. Donc du coup, je vais peut-être streamer pas mal dans les jours qui viennent. Je peux me le permettre, parce que traîner sur le bitume, c'est ça. Eh bah Irishman, je l'ai toujours pas vu parce que je veux le voir dans les meilleures conditions et je veux absolument le voir sur un grand écran et j'ai pas eu l'occasion de le faire encore, mais ça va se produire. C'est prévu, il y a moyen que je le vois. C'est Dragged Across Concrete, absolument. Fancy Roddy. C'est tout à fait ça. C'est Fancy Roddy, faut que j'arrête de massacrer ton pseudo. Fancy Roddy comme un Roddy qui est un peu fancy, qui est un peu chic, c'est ça ? Voilà. Versus, il y en a plusieurs des Versus. Attends, on parle bien de Versus. Non, je suis un ouf. Moi, quand tu me dis Versus, ça me fait penser au film de zombies japonais avec des guns. Et je savais pas qu'il y en avait eu plusieurs en fait, mais j'ai vu le premier. Mec, il est incroyable. Ah ouais, Drag Across Concrete, c'est fou. Drag Across Concrete, c'est produit par Castaner. Ah, mais faut absolument que je le voie de toute façon. Ça, c'est sûr. Gilles, il me l'a vendu. De toute façon, quand Gilles me vend un film avec autant d'enthousiasme, je le regarde. Ça, j'ai rarement été déçu. Ah, Les Misérables, c'est un énorme plagiat de Training Day, tu dis ? C'est-à-dire que c'est un jeune flic avec un flic un peu plus expérimenté, et qu'en fait le flic le plus expérimenté c'est lui qui est badass, et après il y a Dr. Dre et Snoop Dogg qui rentrent, c'est ça ? Ah, c'est cool. Enfin, tu dis c'est un énorme plagiat et c'est pas cool, à voir, je sais pas si... Ah ouais, tu le confirmes, donc c'est le film de zombies japonais dont tu parles, Versus. Mais je savais pas qu'il y avait des suites, moi j'étais resté sur Versus le premier, et que j'avais adoré à l'époque, j'avais adoré Versus, j'avais trouvé ça bourrin de ouf, je kiffais. Bonne nuit, suicide pigeon. Les Misérables, c'est zéro, sérieux, vous avez pas aimé ? Putain, mais pourtant j'en attends un truc cool, là. Ah merde ! Bah, après je vais me faire mon avis, évidemment, hein. Je vais pas partir sur le fait que vous avez raison, je vais partir sur l'idée que vous vous trompez, et que je vais adorer ce film, et que voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a un bon film sur la banlieue, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, en fait. Ou en tout cas, qui m'a pas marqué comme La Haine. La Haine, je considère que c'est un grand, grand film. Ouais, d'accord. Bah non, il y a des gens qui ont adoré, quand même. Si, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Les Misérables, moi j'ai adoré Les Misérables. J'aime vraiment bien Les Misérables. Ouais, non, mais de toute façon, il faut que je regarde ce film-là.
Et puis j'ai de la sympathie pour la Julie aussi. Il se fait en plus en ce moment un petit peu diffamé, un petit peu défoncé sur les réseaux sociaux. Comme quoi, les réseaux sociaux c'est effroyable. Mais ouais, non, moi je veux voir son film quand même. Hop. Lighthouse, pareil, toujours pas vu. Ça, il faut que je le voie. C'est A24, hein, toujours. Non, le dernier film de A24 que j'ai vu, c'était Midsommar, en fait. Que j'ai trouvé vraiment bien. Et du coup, ça m'a donné envie. Et du coup, suite à Midsommar, je sais pas si je vous l'ai dit ça, parce que je vous avais déjà parlé de Midsommar, je me souviens. Mais du coup, suite à Midsommar, je m'étais rematé Wickerman, donc les deux, enfin l'original et le remake. Avec Nicolas Cage. Et ah, oh putain, si vous avez pas vu Wickerman, d'ailleurs, j'en profite pour le name dropper, ce film incroyable, ce film d'horreur britannique génial. L'original, donc des années 60, est absolument monstrueux, c'est un film génial, c'est un film d'horreur du coup. Qui se passe dans une secte païenne, plus ou moins. Et le remake avec Nicolas Cage. Les extras ont beaucoup tourné sur internet, donc il est assez connu. Voilà, c'est The Bees. Not the Bees! Et moi, mais c'est pas que ça. Not the Bees, c'est très drôle, mais le moment où il se déguise en ours, et il va frapper des gens qui du coup sont des femmes, parce que le casting est quasiment intégralement. Du coup, ça donne un côté un peu misogyne aussi au film que j'avais pas capté la première fois que je l'ai vu, mais qui est chelou, parce que c'est quand même Nicolas Cage qui se balade en ours et qui met des patates à des meufs. C'est n'importe quoi. Le remake, c'est n'importe quoi. Mais par contre, l'original est sublime. C'est un grand, grand film d'horreur. Ah, t'as aimé Midsommar, j'ai vu ce film en VF, petit cinéma, et dans une grande salle, on s'est tapé des barres terribles. Alors moi, je l'ai vu en VO, les gens riaient quand même, mais à des raisons où je pense que le réalisateur, dont j'ai oublié le nom, mais qui est aussi le réalisateur de Hereditary, je pense qu'il y a des moments d'humour aussi volontaires hein, dans Midsommar. Je pense qu'il y a des trucs, en fait, comme il superpose des images assez anodines, parfois un peu grotesques, avec des blagues telles que la blague de l'ours, c'est super drôle. Qui est complètement du foreshadowing, c'est complètement un fusil de Chekhov. D'ailleurs, l'ours, mais je trouve que c'est à mourir de rire. Enfin, c'est à mourir de rire. C'est drôle, mais en même temps, c'est terrible parce que c'est mis en parallèle avec des images d'une violence absolument atroce, quoi. Où c'est presque gore parfois, Midsommar. Mais du coup, l'équilibre entre les deux, forcément, provoque le rire, quoi. Il y a des trucs qui sont marrants dans Midsommar. Mais c'est aussi, ça met aussi mal à l'aise. Et je sais pas si vous aimez. Pour ceux qui ont vu Midsommar, je vous recommande d'aller voir sur la page YouTube. Je crois que c'est sur la page YouTube de A24. Ils ont sorti une espèce de fausse pub. Pour un jouet d'ours dans une cage. Donc si vous avez vu le film, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est horrible en fait. Mais et ils ont fait une espèce de fausse pub avec une chanson sur un ours dans une cage, c'est très très drôle. Voilà, mais moi je me demande, moi j'ai bien aimé Midsommar. Les vieux de Midsommar, j'avoue, j'ai ri. Bah oui, non mais moi aussi moi aussi ça m'amusait en fait. Il y avait des gens qui étaient morts de rire dans la salle, mais j'en étais pas à ce point-là. Mais il y a des trucs que je trouve qui sont malins en termes de et c'est ça en fait que j'ai trouvé intéressant dans Midsommar, et c'est pour ça que je le cite comme un film que j'ai beaucoup aimé. C'est justement le fait qu'il y a des moments vraiment drôles au milieu de quelque chose qui est absolument effroyable, parce que ce qu'on se montre, c'est horrible en fait. Et pas seulement le côté on est au milieu d'une secte, on peut pas s'en sortir, etc. Ça c'est classique dans un film d'horreur. Mais la relation de couple entre les deux personnages principaux, elle est badante, c'est badant de ouf, mais en même temps il se passe des trucs parfois où c'est du grand guignol, et donc c'est très drôle. Moi j'aime vraiment Midsommar, je trouve que c'est très intéressant. Et évidemment il est minuit pile chez moi en tout cas, donc joyeux Noël à tous. Je vais mettre pause sur ça, je vais remettre le loading et je vais nous mettre une petite chanson de Noël, donc pas Run DMC cette fois-ci. Qu'est-ce que je peux mettre? Je sais pas, merde, je suis pris au dépourvu, je me suis lancé un challenge. Allez, si, Darling Love, t'es là.